Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un live histoire, alors vous le savez c'est des lives qui sont tirés de ma chaîne Twitch, que l'on diffuse le mercredi soir à 20h, et cette fois-ci c'est un live comme vous allez le voir qui va durer plus d'une heure avec le capitaine de frégate Eric Breté, donc qui fait partie de la Marine Nationale, et avec qui eh bien, on va échanger sur l'histoire de la Marine, d'où elle vient, euh, quelles sont un peu ses traditions, euh, et à travers de son parcours de comprendre lui aussi son cheminement dans cette institution. Moi je trouve que c'était plein de choses qui étaient importantes à savoir, moi c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je suis breton, j'ai pas mal de ma famille qui a été... Euh, Militaire qui était sur le, qui en fait partie de la marine, donc pouvoir en discuter avec lui c'était aussi intéressant. Et je trouve qu'on parle pas assez souvent de l'histoire de la marine, donc c'était chouette d'avoir cette discussion là avec lui en tout cas j'espère que ça vous plaira donc n'hésitez pas à laisser un petit, un petit like de, à vous abonner si ça vous a plu et on revient très prochainement avec les prochains docu allez bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau, live, un nouveau live histoire, ça fait, ça fait longtemps, longtemps qu'on qu s'était pas retrouvé pour un live histoire avec, avec un invité, j'espère que, que vous allez bien en tout cas, dans le chat bonjour je vois, Agu, je vois Linti, je vois Istémico, bien sûr, bonjour Brume j'espère que, que vous allez bien que vous avez passé un, une, une bonne journée, on s'était laissé hier avec un petit Return to the, return to the Moria, euh, et, et donc ce soir on se retrouve pour, pour un live histoire. Alors pour ceux qui euh, peut-être regardent les lives depuis moins longtemps que les autres, euh, vous savez on fait des live histoire le mercredi d'habitude, on regarde des documentaires mais aussi on invite, euh, des, on invite des gens pour venir parler d'histoire, euh, des historiens, des passionnés pour venir échanger euh, avec nous sur, euh, sur différents sujets, et, euh, et ce soir c'est un sujet assez particulier parce qu'aujourd'hui on va parler de l'histoire de la marine, en, avec... Euh, ses traditions avec euh, ses histoires euh, aussi et vous allez voir avec euh, avec notre invité et on va parler notamment de la marine euh, notamment à Brest puisque bah, vous le savez pour la plupart je, je suis brestois et j'ai eu la chance et pour ça je vais remercier la je vais remercier la marine nationale parce que j'ai eu la chance qu'on m'ouvre les portes de l'arsenal de Brest, alors ça c'est assez fou, pour avoir grandi notamment à Brest, c'est un lieu qui est réservé notamment au personnel militaire pour la plupart, et où nous, ben, les civils, on peut pas rentrer, et en fait j'ai pu y aller, j'ai pu rentrer, j'ai pu aller sur des, des navires, rencontrer leurs commandants et échanger avec eux, c'était vraiment vraiment passionnant, et l'idée un peu c'est qu'on débriefe de cette expérience, alors qu'il y a eu lieu il y a quelques mois maintenant, et on va débriefer un petit peu tout ça et l'idée c'est de parler un peu de l'histoire de la marine. Alors moi j'ai grandi à côté de la mer, à côté de l'océan, donc j'ai quelques notions. Vous savez on parle parfois de navigation sur la chaîne, on avait déjà fait, notre... on parle souvent de la route du Rhum, on avait parlé de la Transat jack Vabre il y a pas longtemps. Euh, donc il y a plein de choses que moi je connais, mais sûrement des choses que je connais moins et que je vais apprendre avec vous. Donc n'hésitez pas. L'idée toujours de ces entretiens c'est que moi je pose mes questions, mais vous aussi vous avez votre rôle à jouer pour poser vos questions, vos interrogations, faire vos remarques évidemment dans le chat. Et, et puis, comme ça, on pourra tous ensemble passer un bon moment pendant une heure et demie, deux heures à, à échanger. Et je vous parle d'invité depuis tout à l'heure et je vous propose que ben, de vous présenter notre invité de ce soir, euh, Eric Brotet, qui est avec nous. Bonjour Eric, comment ça va Bonjour Théo, très bien, merci. <laughs> merci beaucoup. Alors Eric est venu, vous allez voir, avec, euh, voilà, avec sa, sa tenue, il est venu en uniforme, et, mais je, je voulais que tu viennes en uniforme parce qu'il y, y a pas mal de choses à dire. Moi, je trouve que un, un, uniforme, euh, un uniforme, ça raconte des histoires, ça veut dire des choses, des choses aussi. Et euh, merci beaucoup d'être venu. C'est la première fois que tu viens sur Twitch euh, c'est la première fois, effectivement. Ouais. <laughs> Ça va être une, cool. première, une première pour toi. Exactement. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Alors, tu es Artongrade, c'est capitaine de frégate. Ça. Donc euh, capitaine de frégate et tu es euh, directeur de l'école des mousses. Alors j'ai été directeur de l'école des mousses à l'heure actuelle. Je suis mmh. à la préfecture maritime. À la préfecture ah. maritime. Ok, très bien. Bah, comme ça, on va pouvoir un petit peu, on va pouvoir un petit peu en parler justement de, de tout ça. Euh, on va pouvoir, on va pouvoir euh, échanger. Grande classe. Ouais, c'est vrai qu'il est venu. Euh, voilà, grande, grande classe. On n'a pas eu souvent des. On a même jamais eu mais je crois que c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un en uniforme sur le sur le canapé ici. Donc euh, franchement, euh, merci beaucoup d'être d'être venu. T es venu de Brest en plus. Le voyage s'est bien passé. Excellemment. <laughs> Trop bien. Et sachez que euh, Olivier est passionné d'histoire et on va pouvoir discuter d'histoire parce que tu as écrit des, des, des ouvrages euh, à propos de, notamment de, de marins durant la période de la libre, donc Seconde Guerre mondiale. Mais tu as aussi une très grande qualité, tu es supporter de la Rochelle aussi. Un petit peu, oui. <laughs> donc, parce que tu es Rochelle d'origine. Ouais, je suis Rochelle euh... d'origine, ouais, effectivement. Et puis c'est un, un club de cœur, effectivement. Et puis bon, ils réussissent pas mal en ce moment. Ouais, c'est vrai. Alors début de <laughs> saison un peu compliqué, hein, mais euh, double champion d'Europe quand même. Oui, oui, oui. Et puis il faut que le, la saison démarre. Une saison un peu, 14, <laughs> c'est assez long. Exactement, ex exactement. Ah, il est fatal. Alors hein, s'il vous plaît, il doit y avoir des Toulousains dans le chat. C'est obligé. De toute façon, vous êtes toujours là, les Toulousains. Vous faites, euh, vous, vous calmez, vous, vous calmez. Alors on va commencer par quelque chose parce que j'ai dit euh, que tu étais capitaine de frégate. Et ce que je propose aux gens, c'est qu'on voit un petit peu où est-ce que ça se situe dans la hiérarchie, euh, dans la hiérarchie. Euh, dans la hiérarchie militaire. Alors, je l'avais mis ici le visuel pour qu'on puisse un peu tous se rendre compte un peu de de, de qu'est-ce que c'est que capitaine ca, capitaine de frégate. C est, c est, enfin, je vais dire que c'est haut. Pour toi peut-être ça ne veut pas dire grand-chose, mais du coup capitaine de frégate c'est quand même c'est ici alors on a euh, ici les tricornes, donc on a officier général tout en, en bas officier en fait c'est quand même assez haut dans les officiers de dans les officiers de marine c'est juste en fait en dessous euh, les officiers généraux donc qui vont être amiral vice-amiral voilà c'est partie de la catégorie des officiers supérieurs effectivement Pas mal. et chaque, euh, chaque niveau de, de grade a un niveau d'emploi hein, dans la hiérarchie donc ce qui est assez simple finalement c'est qu'en fonction du grade on sait à quel niveau on se situe et à quel niveau de responsabilité. Mmh. Voilà, donc, puisqu'on parle un peu d'histoire, effectivement, les, les grades de la marine peuvent paraître parfois compliqués, mais finalement, euh, ils sont très simples. Euh, C'est-à-dire qu'on avait avant, euh, dans la marine à voile, des, des lieutenants de vaisseau, enfin des vaisseaux, plusieurs types, mm -hmm. vaisseaux, corvettes, frégates, hein, et, et, et euh, l'enseigne de vaisseau était bien sûr un premier grade d'officier. Le lieutenant de vaisseau, il y avait plusieurs lieutenants, mm -hmm. le lieutenant de pied, euh, par exemple, qui était l'aide le, le, de camp du commandant, le premier lieutenant. Mmh. Euh, et puis ensuite, on a, on arrivé à des, des capitaines de corvettes, de frégates, de vaisseaux qui, eux, commandaient à la mer. Euh, on a toujours cette, euh, cette appellation dans la marine marchande où on a des capitaines. Okay. Et dans la marine militaire, on a des commandants. Mmh. Et parce que du coup, les gens divisaient. C'est rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat, c'est Farrell qui dit Capitaine de quelle frégate En fait, c'est une appellation, mais c'est pas. Euh, actuellement, tu n'es pas affecté à un, à un bâtiment. Voilà, c'est un niveau d'emploi. En fait. Ouais, c'est ça. C'est un niveau d'emploi. Donc, ce qui fait que. Tu, même si on t'appelle capitaine de frégate, tu n'es pas sur un, sur un bâtiment en ce moment. Et vous le verrez, on avait, on avait vu, euh, on allait voir William qui était commandant euh, de, de l'étoile et qui lui est, est, est pour le coup sur un bâtiment, euh, sur un bâtiment école, donc sur un, sur un navire école. On aura l'occasion d'y revenir. D'ailleurs, en parlant ce, de ton uniforme, du coup, tu as les galons qui sont qui sont, qui sont qui sont juste juste là. Et je vois à chaque fois, je vois, moi personnellement, c'est une question que je me pose à chaque fois. Tu as les petites barrettes aussi. alors... Euh, oui, qui, sont, de... qui sont juste là. Tu peux lever un tout petit peu ton micro juste pour qu'on voilà. les, voilà, pour, voilà. pour les voit bien. C'est quoi ces, ces petites barrettes Moi, à chaque fois, je me pose la question. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des barrettes de décoration, en fait. Ah d'accord. Voilà, okay. Est-ce euh... que tu peux me dire quelle quelle barrette correspond à alors, quelle sûr, dé oui, décoration alors, hop, là. Euh, la bleue, c'est l'ordre national du mérite. Ok. Euh, la verte et, et l'argent. Oui, c'est pas du blanc vert et blanc. C'est les, les arts et lettres. Les arêtes et lettres. Ok. Et l'autre, la médaille d'argent de la Défense nationale. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des décorations au fur, de, au fur et à mesure de la carrière, finalement, et puis de, des choses qu'on fait. Ah oh, putain, je vais te le remettre un petit ah peu ça. bien. Oh, là, Merci. voilà. Oui, comme ça, ça t'évite de te balader tout le temps avec tes trois, voilà. avec tes trois médailles. C'est plus pratique. C'est la version barrette. Et après, okay. euh, par exemple, pour les défilés, euh, quand on est en tenue avec le sabre, par exemple, on a une décorations pendantes. D'accord. Voilà. Okay. Et pour le coup, avec la médaille euh, euh, en entier bien que tu es un peu pratique un aussi en fait. <laughs> c'est ça pour nous rappeler que tu es pour, pour nous rappeler que tu es tu, 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 tu es décoré non mais voilà farel au moins tu, tu as l'information merci beaucoup à Yatos. bienvenue à, à tous ceux qui arrivent bien sûr comme je disais l'histoire, on, on, va, on va avoir l'occasion de parler de parler d'histoire de parler d'histoire de la marine mais j'ai envie et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un invité, on essaie un peu de comprendre euh, d'où il vient, quelle est un peu sa, sa formation. Euh, et en plus on va parler aussi un peu de, de ton rapport à l'histoire, parce que tu as écrit des, des ouvrages, euh, tu as écrit aussi de nombreux articles pour le magazine de la marine, euh, sur l'histoire en général de, de la marine, on va, on va y revenir. Mais euh, rapidement pour faire, euh, refaire ton, ton parcours, comment est-ce que tu es devenu officier de la marine que, Par quel parcours tu es, tu, tu es passé euh, par un parcours que, que, que nous réservent les, les armées et la marine nationale, hein, ouais. ces fameux escalier social. Ouais, ok. Euh, moi, j'ai commencé Matelot en 1988, déjà il y a quelques, quelques années. Moi, j'avais un bac littéraire et je voulais m'engager depuis l'âge de 14 ans. Donc, ah oui, d'accord, euh, c'était vraiment que tu étais jeune et tu avais euh, envie de... et, 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 et je, je suis originaire de La Rochelle, donc euh, une cité euh, historique et puis euh, maritime. Et effectivement, le, le, le fait de vouloir devenir marin euh, m'a permis justement progressivement de, bah de m'élever dans ma hiérarchie, mais également dans mes emplois. En fait, ce qui est, ce qui est assez fabuleux et je, je pense que je n'ai pas encore fini de découvrir tout ce que la marine peut m'offrir, mais c'est que j'en apprends tous les jours. Mm -hmm. et, et le fait d'avoir gravi les grades finalement euh, sont des, des rappels peut-être sur les niveaux d'emploi que j'ai pu exercer, mais bon, comme dit, on en apprend tous les jours. Mm -hmm. Et, 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 et avec, entrer avec un bac littéraire et, et arriver maintenant euh, à ce niveau-là, <laughs> je euh, je ne sais pas si j'aurais signé tout de suite parce que euh, les responsabilités m'auraient peut-être Oui, il y, y a des responsabilités. Ans, ouais. que... Mais en tout cas, euh, ce, ce qui est fabuleux, c'est que même à l'heure actuelle, euh, quand j'étais à l'école des mousses, euh, euh, je pense que ça existe encore de nos, de nos jours, ce, cet escalier social et, et cette capacité à pouvoir progresser dans l'institution mmh. euh, et avec cette curiosité d'esprit que permet l'institution aussi euh, pour progresser. Mais, euh, mais et de fait, voilà, après, avec les. Les examens et euh, les affectations, voilà, c'est un tout. Donc, euh, voilà, moi je dirais que étant originaire de La Rochelle, il y a un peu d'atavisme euh, culturel euh, pour être marin euh, et, et pour être euh, tourné vers l'histoire, puisque mm -hmm. La Rochelle a été au centre de beaucoup d'histoires de, dans l'histoire de France. Ouais, exactement. On parlait du siège de La Rochelle juste avant, euh, avant de prendre le live, notamment. Donc, euh, ouais, complètement. Voilà, et de fil, de fil en aiguille, en fait. Euh, euh, ma carrière maritime me permet de bah, poursuivre mes rêves. Et c'est vraiment, ça je vous le dis, hein, depuis l'âge de 14 ans, c'est un rêve qui, qui se poursuit. Et j'ai la chance, justement, d'avoir une famille qui me suit. Parce que ça aussi, c'est très important. Oui, parce que tu parles d'affectation. Euh, une affectation, c'est tous, euh, tous les deux Tous les deux, deux ans, ouais, ans. c'est ça. Ouais. Et donc, c'est des affectations qui peuvent être quand même un peu partout en France, selon ton affectation. Alors, en France, il y a beaucoup de Toulon, il y a beaucoup de Brest. Pour ceux qui sont peut-être de la région brestoise, ou de Bretagne, en tout cas, euh, vous grandissez. Moi, j'ai l'habitude de ça, des questions d'affectation, parce qu'on bah, a de la famille qui est marin, donc euh, ils sont envoyés à un endroit, puis à un autre. Parfois, ils sont aussi envoyés. Euh, euh, notamment à Tahiti, moi je connais pas mal de gens qui ont, été, qui ont leurs parents qui sont allés en affectation à Tahiti, qui ont grandi sans leurs parents parce qu'ils étaient là-bas, militaires etc donc c'est vrai aussi qu'il faut avoir euh, pareil une, ouais, une famille qui est prête à suivre euh, oui. toutes, toutes ces affectations et tous ces changements c'est ça, je vais avoir 12, 12 déménagements et effectivement on, on pense à, <laughs> à Brest-Toulon mais je pourrais ajouter euh, Biarritz-Toulouse euh, okay. euh, Cherbourg bon. <laughs> La marine à toulouse ah, ah, alors oui, oui j'ai eu la chance mais je parlais de cette carrière où j'ai encore à découvrir j'ai fait du J'étais chargé du recrutement au sud-ouest ah, oui, à, okay. à toulouse et donc du coup pour gérer les, départements, les 21 départements que que, que, que j'avais c'était toulouse biarritz pour la base navale de la Dour mmh. qui, qui à l'époque était, était ouverte ok voilà d'accord Très bien. Il y a des gens qui parlent. Alors, il euh, y a des gens qui, qui, qui disent euh, oui, je suis dans un actuellement dans un processus d'engagement pour la marine et je passe les évaluations début décembre. Bon courage, bon courage euh, en, en tout cas. Euh, et donc, euh, comment, euh, es, comment l'histoire est, est venue dans ce processus-là Comme tu le disais, il y avait cette base avec euh, La Rochelle, mais c'est vrai que du coup, tu, quand tu as écrit euh, du coup les différents ouvrages qu'on va évoquer juste après, c'était en parallèle du coup de, du processus de ton de, de ta carrière. C'était vraiment en tant que passionné, tu t'es dit, je vais m'intéresser à ces à ces questions-là. Exactement il euh, y a l'effet historique et puis euh, la découverte des personnes euh, la découverte des personnes c'est aussi euh, important puisque moi ce qui m'a toujours motivé euh, c'est de connaître l'homme sous l'uniforme en fait mmh. et à La Rochelle donc il euh, n'y a pas que le XVIIe siècle il y a aussi euh, une base sous-marine comme on est à Brest mmh. on en parlera tout à l'heure sûrement et très tôt, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quels avaient été les hommes qui, euh, qui avaient été dans, dans ces bunkers, par exemple, okay. et ceux qui les avaient construits. Enfin bref, donc, mm -hmm. ça m'a très tôt permis d'aller vers ces gens-là, euh, ben, ceux qui étaient encore vivants, euh, leurs familles. Et dans tout le processus de mes bouquins, finalement, euh, bon, pour Duperet et Durand-Linois, je n'ai pas forcément mm -hmm. eu beaucoup de, de contemporains. Parce que... mm -hmm. <laughs> mais, mais néanmoins, il y a beaucoup de lectures. Mais c'est ça aussi... Euh... Quelqu'un qui est intéressant là-dedans Moi, euh, la passion pour la lecture était là aussi. Ok. Et en fait, quand on veut connaître un contexte, euh, je, je, je lis, je lis, je dévore parce que il euh, y a beaucoup de témoignages, il ouais. y a beaucoup d'écrits, et connaître un contexte avec beaucoup d'éclairage, c'est le meilleur moyen d'essayer d'avoir sa propre idée sur mmh. la question, même si c'est au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, quand on a des contemporains, comme ça a été le cas pour la France libre, c'est encore mieux. Ouais. Et encore, je pense que la lecture nous réserve beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un tout, en fait, entre lecture, passion pour l'histoire, passion pour les rencontres avec les gens, et puis la marine naturellement. Ouais, c'est ça. Donc oui, parce que tu as écrit des suites. Donc c'est souvent les livres que tu as écrits, c'est toujours avec un rapport avec la marine. Donc là, notamment avec ce bouquin, Un chevalier de la France libre, Jacqueline de Porte-Dévaux. Et donc tu parles de, 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 de la France libre dans, dans ces deux ouvrages-là que j'ai retenus et que j'ai un peu étudié, j'ai regardé. Et euh, c'est un peu intéressant, on va pouvoir un petit peu en parler et rentrer dans la phase un peu histoire euh, maintenant. Parce que euh, je trouve que la marine, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent, euh, euh, comment dire, c'est un peu le parent pauvre, c'est un peu celle qui est un peu oubliée de, de l'histoire, je trouve, après la... C'est-à-dire qu'en gros, la marine, quand, tu la... quand on parle de la, de la marine française c'est euh, Merzel-Kebir et, euh, et puis après bon bah voilà les anglais ont coulé la marine française et puis après c'est ciao et puis on n'en parle plus vraiment quoi donc euh, c'est je suis un peu curieux d'avoir ton, ton, ton regard là-dessus qu'est ce qu'elle devient finalement la, la marine française euh, après la défaite de, de 1940 après cette défaite ultra rapide qui crée un désordre évidemment euh, très, très important euh, qu'est ce qui se passe en fait la, la marine on méconnaît encore euh... On méconnaît connaît encore le rôle qu'elle a pu jouer à Dunkerque, par exemple, hein, mm -hmm. pour l'évacuation des troupes, hein, l'évacuation euh, des ports aussi, euh, Fréquent, Brest, Cherbourg. Euh, et euh, les, les bateaux, les bâtiments qui vont pouvoir se réfugier en Angleterre en attendant d'une décision mm -hmm. euh, du gouvernement sur un éventuel repli vers l'outre-mer, les, vers les, mm -hmm. pour pouvoir poursuivre la lutte, euh, ben, va faire que de nombreux bâtiments de la marine vont se retrouver à Portsmouth, à Plymouth, ah, dans, dans le port anglais en attendant. Et c'est très intéressant d'ailleurs aussi, puisque euh, les, les, les négociations entre le gouvernement français euh, et Winston Churchill, qui est devenu Premier ministre, mmh. et puis un certain De Gaulle, qui est, euh, qui est au gouvernement avec un grade provisoire, euh, ben, on, vont finalement amener euh, à faire en sorte que le... Le maréchal Pétain va être des, désigné chef du gouvernement mmh, et va prendre un parti qui est de euh, négocier avec l'ennemi. Tout à fait. Alors que De Gaulle va se placer en dissidence. Exactement. Donc il y, a raison, il y a deux France qui se font, qui voilà. sont rendues à ce moment-là, qui, ouais. qui, qui, qui se, qui, qui fracture. Et effectivement, avec à un moment donné, euh, des, 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 une grande Bretagne, des Britanniques qui vont se retrouver seuls face mmh. à l'invasion allemande, en étant la prochaine victime euh, déclarée si euh, ils ne font rien. Euh, je recommande d'ailleurs euh, la splendeur et l'infamie d'Eric Larson, okay. qui, euh, qui est euh, un, un journaliste américain qui a écrit sur, euh, sur cette période-là, okay. euh, en faisant un focus sur Winston Churchill entre mai euh, 40 et euh, juin 41. D'accord. Euh, et qui resitue son côté anglais. Ça, c'est intéressant. Mais le côté gaulliste aussi, enfin gaulien, pardon, est, est intéressant puisque le général de Gaulle mène ses négociations, mmh. mais les, les marins qui sont euh, réfugiés, eux, attendent des instructions. Et c'est effectivement ce que j'essaie de raconter dans « Les aventuriers de la France libre », avec ces marins qui se retrouvent euh, à motiver leurs équipages hein, qui sont dans l'inaction et qui attendent des instructions, avec euh, en fait un, un beau panel, un bel échantillon de, de ce qu'est la vie de tous les jours. Hein, C'est-à-dire euh, le marin qui est jeune, qui n'a pas de famille et, mmh. et que personne n'attend, le marin qui est marié, qui a les enfants et qui se préoccupe pour ses enfants restés, euh, en restant sur le territoire français, voilà, chacun va avoir cette problématique et cette question du choix, ouais. on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, de savoir voilà, qu'est-ce que je fais, je, je, je continue et je me place en dissidence, mm -hmm. euh, ou alors je rentre au pays et j'écoute euh, ce que dit mon gouvernement. Ouais. Donc euh, c'est vraiment cet état-là en, en juin 40 qui est, qui est très intéressant à voir et savoir qui vont rejoindre la poignée de, de marins qui vont rejoindre les forces françaises libres d'un général. À titre provisoire, qui est encore un grand inconnu. Oui, ouais, bien sûr. Oui, qui... parce qu'en fait, il y a d'autres généraux qui se positionnent à ce moment-là qui sont peut-être plus légitimes que, que lui-même. Enfin, à chaque fois, j'oublie le nom de ce général, mais à un moment donné, De Gaulle il dit même, c'est un autre général français, j'ai plus le nom. et c'est pas vous qui voulez prendre la suite, vous êtes plus gradé que moi, quoi. Et De Gaulle dit, ben... et on lui dit, répond, ah non, c'est à vous d'y aller. Il en parle dans sa mémoire. quoi. On lui dit, ben bah non, c'est vous qui avez initié le truc, donc voilà, c'est à ben... vous d'aller au bout, quoi. Donc ça qui est hyper intéressant. Il y a Tox dans le chat qui pose une question. Est-ce qu'en tant que militaire, tu disposes de sources qui ne pas accéder, par exemple? Ou par exemple, les, je pense notamment aux archives de la marine, où mon père a fait son service militaire d'ailleurs. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des sources où que toi tu as accès que par exemple des historiens n'auraient pas Non, non, pas personnellement, mais comme tout le monde en fait, de, parce que je mène mes recherches à titre, euh, à titre de citoyen. Oui. Mais on peut y avoir accès et je recommande justement, effectivement tu fais bien de parler du SH, du service historique de la défense et des départements euh, marine et terres. Il euh, y a de grandes ressources dedans, mais il faut, faut simplement écrire. Déjà, demander au service historique si les sources sont mmh. divulgables. Oui. Si elles ne le sont pas, de demander à consulter des dossiers en faisant un courrier. Ça m'est arrivé de le faire et, et en général, il y a des réponses. Euh, qui n'est pas divulgable et, et classifié, et ça, qui euh, qu'on qu soit, enfin, quelques personnes qu'on oui, soit, n'y aura pas accès. Mais il, il faut faire la demande et il y, y a de nombreuses ressources dans, dans le service historique de la Défense. Quoi. Ah, mais du coup, tu, quand tu fais tes demandes, tu les fais pas en titre. De militaire, tu les fais en tant que citoyen et ouais. tu fais ta demande comme finalement, moi je pourrais envoyer une demande ou quoi. C'est sûr. Ah, c'est assez. Euh, ok, d'accord. Ah oui, en fait, euh, je pensais qu'il y avait peut-être des petits avantages, tu vois, en me disant peut-être que comme t'es officier, bon, bah, allez, on peut jouer de. Enfin, ah, je, je, je sais pas, moi genre, mais en, en même temps, non, je, je le fais sous ma casquette de citoyen parce que, en fait, mes, mes, mes supérieurs l'ont su assez tard que j'avais <laughs> okay. cette passion-là. Okay. Et parce que pour moi, voilà, je. J'ai ma casquette professionnelle mmh. et puis euh, je, je m'épanouis. Et effectivement, comme je te disais tout à l'heure, ce, ce, ce qui est passionnant, c'est quand on veut faire rejoindre sa passion, euh, ses passions, ouais. euh, ben Parce que ça va dans le sens de l'histoire aussi. Hein, commémorer euh, commémorer euh, mmh. la sépulture de Robert Détroit à Saint-Pierre-d'Iru, ouais. enfin, c'est. Ben, je je, je, ouais, je n'aurais bon en jamais, jamais pu le mmh. faire. Euh, commémorer aussi. Euh, anniversaire de Dupéret avec une, une préparation militaire marine à La Rochelle. Euh, Mais tu vois, c'est fou que tu parles de ça parce que, euh, tu vois, on a... Parce que là, du coup, tu, tu suis dans ton ouvrage Les aventuriers de la France, tu suis quatre euh, Français, euh, donc de la marine. Et donc, euh, euh, comme tu le dis, tu rends hommage. Après, tu as pu rencontrer aussi des membres de, mmh. des familles. Et, euh, et tu vois, dans, on a fait un documentaire sur la chaîne YouTube où on parle de... D'un soldat américain qui est, qui est, qui est décédé euh, et qu'on suit, en fait, on suit son parcours. Euh, c'est un, un, un officier américain qui décède pendant la bataille de Normandie. Et en fait, c'est fou l'attachement que tu arrives à. Enfin, en tout cas, ouais, ça, cet attachement que tu crées très rapidement avec euh, ces personnes, avec ce personnage, et, enfin, avec ces personnes. Euh, parce que, ben bah, nous, tu vois, on a fait des demandes aux archives américaines pour avoir des infos sur euh, ces différentes affectations. Et quand tu lis en direct ce qu'il a fait, ça crée tout de suite un lien hyper fort, en fait, avec, euh, avec, euh, avec, ton, su avec ton sujet. Puis, quand en plus, on, a, on a allait voir sa tombe après dans le fameux cimetière américain de Colville, d'autant plus comment est-ce que ça crée une connexion avec ton, ton sujet. Et je sais que pour nombreux passionnés d'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale, je sais que ça, je sais que ça parle beaucoup. Euh, mais toi, en plus de ça, euh, c'est quatre euh, marins, quatre marins français, donc forcément, il y a un truc euh, un peu particulier euh, à, à, avec ça. Et donc, euh, comment est-ce que tu as, as travaillé ces, ces sujets-là Tu es tombé dessus, sur ces gens par hasard Comment est-ce que tu as découvert ces c'est c'est destin en fait de quatre marins partis euh, rejoindre le, De Gaulle au lendemain de la défaite de 1940 Alors justement m'intéresse en Robert Detrya hein, donc okay. euh, en partant depuis le début Robert Detrya dont euh, on avait finalement peu de choses euh, et puis euh, en découvrant des, des, des documents euh, mm -hmm. assez, assez intimes j'ai découvert qu'il avait une amitié avec euh, Jean Desmoutis okay. euh, et qui euh, ben, en mi juin 40 dans les canaux de Hollande dans les canaux de Hollande euh, bon, ils étaient ensemble en division, dans... mmh. et, et de fait, ils ont créé une amitié, et donc ça donne ça, ça incite à, à aller voir ce qu'il y a derrière. Et puis après, bon, euh, Elitou Shalom et, et, et Hubert Amiodinville, qu'on mmh. qu connaissait déjà beaucoup. Hein. Alors, l'idée c'est je, je ne voulais écrire au départ que sur Robert Detroyat, parce que j'étais déjà okay. riche, et puis il euh, y avait beaucoup de choses à, à écrire. Et puis, on, en fait, on se dit qu'on ne peut pas passer à côté de, de personnalités euh, ouais, okay. qui, est qui ont fait un choix-là. Et, et ce qui est d'autant plus passionnant, on parlait tout à l'heure de, de, de ce dilemme, de ce question du choix euh, en juin 40 euh, euh, à Londres, puisque ça s'est joué là-bas. Euh, ben, ces quatre garçons, ils ont réfléchi ensemble avec une, une vingtaine d'années euh, au parti qu'ils allaient prendre. Ah, c'est fou. C'est-à-dire quand on parle de dilemme, c'est entre la, la, la France du général de Gaulle, donc du coup cette France qui se dit libre et qui veut continuer le combat, mmh. et celle du maréchal Pétain qui dit euh, nous allons collaborer et qui rentre en, donc la France de, de, de Vichy. Et en fait, euh, ils vont faire le choix consciemment. Quoi. Enfin, ils doivent se dire bon, bah maintenant, euh, aujourd'hui avec notre recul, on se dit bon, bah évidemment qu'il fallait suivre de Gaulle. Évidemment, c'était la, la voie de, de la voie de la résistance qu'il fallait, qu fallait prendre mais en fait quand es dans l'instant quand on est en 1940 on se dit mais bah, c'est super compliqué en fait je sais pas, il euh, y a deux France laquelle est plus légitime que l'autre c'est super difficile un... de savoir quoi c'est ça et c'est effectivement ce dont on parlait avec Pierre Schoendorfer hein, c'est cette question oui. du bien, euh, du choix dans une vie d'un oui. homme hein, elle, la question elle se pose jamais entre un bien et un mal, mm -hmm. elle se pose souvent entre un bien et un autre bien et l'avenir nous dira si on a, on a pris la, la bonne décision ou pas mais entre légaliste et dissident, effectivement, la question est de plus en plus complexe. Et c'est un des points, tu parlais de l'origine de, de ma passion pour l'histoire, elle, elle, elle vient de cette question aussi. Parce que je n'ai pas cité un professeur d'histoire au collège, mais <laughs> je pense qu'on a tous. <laughs> un professeur d'histoire. Je pense que dans le chat, vous pouvez le dire aussi, il y a tous à chaque fois un professeur d'histoire qui fait la différence, qui, là, clairement. Qui, qui nous a fait vivre l'histoire, qui a incarné ce qu'il mmh. qu professait, qui nous emmenait sur le terrain. Et enfin, moi, ça a été le cas. Et. Et cette question, il nous a amené à nous la poser. Et je me la pose toujours encore. Ouais. Et comme je te disais, en vieillissant et en ayant chargé de famille, tu as des, des responsabilités et autres. Ben finalement, la réponse n'a jamais été simple. Je ne l'ai jamais eue. <laughs> je, je pense que je ne l'aurai jamais. <laughs> et, et donc, l'histoire de ces quatre personnes, comment, en fait, à quoi va ressembler la, la marine française après euh, mai-juin 40 Qu'est-ce Qu qui va se passer entre enfin, quels sont les éléments qui vont rythmer finalement la vie de, de marins qui était vivait hier qui était basé à brest notamment pour ceux que tu évoques qui était basé à brest et qu'est ce qui va se passer parce qu'on parle peu finalement de cette france libre marine quoi c'est vrai il n'était qu'une poignée en fait hein. mm -hmm une poignée de français libres c'est bien de le rappeler ouais, et, voilà. beau, et ouais. tu parlais d'un officier général le vice-amiral Muselier qui, mm -hmm. était, euh, qui a rejoint De Gaulle qui était donc euh, moins gradé que, que, que le général et qui a pris la tête de, de cette force, ces forces navales françaises libres et de des forces aériennes françaises libres parce que justement il, il fallait tout réorganiser bah, ces marins ils vont être dans l'attente hein, pour certains avec l'idée de repartir sur l'Algérie pour reprendre le combat euh, et puis d'autres vont être mis en camp parce qu'ils ont décidé très tôt qu'ils rentreraient au pays mais il y a un événement que, que les Britanniques vont forcer la décision finalement. Hein. C'est l'opération Catapulte, hein, le 3 juillet 1940, mm -hmm. avec le, à l'aube la saisie des, des bâtiments français euh, par les Britanniques et au large de Mercier-le-Kébir, euh, l'escadre de l'amiral Jean Soul, qui est sommé de se rendre ou de se saborder euh, pour, pour ne pas qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. En fait, la grande. Euh, le grand dilemme pour les Britanniques, mm -hmm. c'est que la flotte française, qui est l'une des meilleures au monde euh, à l'époque, euh, tombe aux mains des Allemands pour pouvoir euh, mettre à genoux euh, la Grande-Bretagne, euh, qui est une, une île, et qui, euh, et sa sécurité, en fait, ça, son assurance ça dépend vie. de ça, en et fait, elle, quoi, elle, à elle ce moment-là. Pas... Et moi, mon arrière-grand-père était à merzac et du coup, euh, ouais. quand il y a eu le bombardement, euh, quand il y a eu le bombardement. Et euh, j'aimerais savoir ce qui s'est passé par-dessus. Je crois qu'il rentre en France euh, derrière, quoi. Mais mmh. euh, effectivement, il était à, il était à merzel Kébir C'est un grand traumatisme, mais, mais des deux mmh. côtés, hein, je dirais. Euh, Britannique comme, comme français. Oui. Hein, euh, mais avec chacun le, le sens du devoir. Oui. Et, 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 c'est ce qu'il en est sorti, effectivement, le traumatisme du encore. Hein, mais euh, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise décision là, on mmh. n'est pas là pour en parler, mais... Euh, ça a forcé le destin. Ça a forcé le destin pour ceux qui doutaient un petit peu, pour ceux qui savaient qu'ils voulaient rentrer en France. Et du coup, ils ne se sont retrouvés qu'une poignée à être à, être, à rester dans, la dans les forces navales françaises libres. Qui va, les forces navales, les FNFL elles vont se monter en fait euh, avec les, les bâtiments euh, que les Britanniques ont récupérés et, et les équipages qu'ils ont pu armer, puisque un bâtiment sans équipage n'est rien. Euh, et petit à petit, en fait, on, on, il va falloir les équiper, parce que le mm -hmm. problème de l'équipement là aussi est là. Et elle va monter en puissance progressivement grâce, euh, grâce bah, aussi à certains bateaux euh, que, que les Britanniques vont nous fournir. Et il va y avoir un premier rendez-vous qui, qui va être important en septembre, c'est l'opération Menace sur Dakar, où, euh, où De Gaulle va essayer de, de récupérer un port euh, important sur la façade atlantique. Parce qu il qu'il faut se remémorer un petit peu que les croiseurs allemands, les raiders, euh, mmh. euh, bah, écument le ravitaillement, font, font un blocus qui empêche un ravitaillement des îles britanniques. C'est le Blitz. C'est une ouais, menace. Hein, et et fait, ah, Je ne savais même pas qu'il y avait une opération maritime menée par la France libre. Opération menace. Ouais. Parce que le dernier invité à être venu, c'était Gérolé donc euh, historien au, au service national de la défense et qui travaille sur la France libre notamment et qui nous parle. Alors qui est spécialiste du coup du Tchad et donc de euh, mm -hmm. la partie plus terrestre de, 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 de l'Afrique. Qui parle aussi des questions d'équipement, des problématiques d'équipement. Mais du coup, c'est intéressant que tu nous parles aussi des opérations menées par euh, les Petite force maritime, finalement, de, de la France libre. Appuyée par la Royal Navy, bien, <laughs> bien sûr. Ils ne sont <laughs> pas tout seuls. À son sont pas tout là. Seul, ils sont appuyés. Non, parce qu'en fait, il y, y, y a le commandant du BOC, le commandant du Mini, dominé. Il y a, y a quelques, quelques bâtiments de la France libre. C'est vraiment le, le, un embryon euh, qui va essayer de rallier euh, sans coup faire rire. De Gaulle euh, ne veut pas voir couler de son français. Euh, malheureusement, euh, le gouverneur français local euh, il, il, illégaliste et, mmh. et de fait les, les bateaux euh, essuient des, des coups de semonce donc mmh. laisse la place aux britanniques, il va y avoir mmh. un combat c'est un fiasco, euh, l'opération menace euh, euh, n'aboutira à rien, bien au contraire c'est un fiasco mais les forces qui étaient prépositionnées sur cette opération vont passer justement au Gabon et vont concourir à récupérer les éléments euh, de Leclerc notamment le ah. ralliement du Cameroun, du Gabon tout ça va suivre par la suite et va donner finalement euh, naissance à, des, à un point d'appui sur cette Afrique ah d'accord intéressant donc du coup le ce qui le fait de repasser par le gabon derrière a permis d'appuyer après ce qui donnera la deuxième db par la suite de voilà on leclerc couffra pour le moment mais on n'est pas loin. Et ouais. en tout cas c'est là où, où le capitaine leclerc puisqu'il il est capitaine au départ mmh. et il est quand même colonel à la fin de, de ses ralliements ou ok intéressant voilà donc le, la marine les fnfl ben, monte en puissance et, et cette poignée va petit à petit euh, 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 joindre hein. une petite photo, pardon. Voilà, joindre d'autres marins, euh, et puis les, les Britanniques vont, vont amener du matériel aussi. Hein. Et puis il y aura le ralliement Saint-Pierre et Miquelon par la suite. Voilà, petit à petit, la chose à se faire, mais au départ, effectivement, on se remettre avec cette poignée de Français libres. Ouais, c'est ça. Et, et en l'occurrence, pour les quatre garçons dont on parlait, hein, euh, ce cran de monter à Londres pour mmh. aller rencontrer euh, le chef de ces Free French, mmh. le général de Gaulle, qui, bah, qui est, dont l'appel à la BBC n'est pas passé forcément inaperçu, mais pas oui. loin, euh, pour aller proposer ce projet à Muselier, parce qu'on a su que Muselier avait rallié de Gaulle. Mmh. Et Muselier est connu dans la marine. Muselier, il a fini comme, comme commandant de la marine à Marseille. Il a été un peu poussé sur le. Sur le côté, parce que euh, camarade de promotion de l'amiral Darlan, ça se passait pas ah très oui, bien vrai que Darlan. Okay. Mmh. Oui, oui. Mmh. Darlan, c'était un peu plus et, compliqué. Tout, tout est lié. Hein, et, oui, oui c'est ça. De fait, euh... donc, Darlan qui a été après un collaborateur, si vous voulez, qui a été assassiné après par un, un résistant euh, par la suite. Et il a serré la main d'Hitler. Donc, du coup, ce qui fait que la mémoire de Darlan est évidemment très, très compliquée. Et donc, du coup, il fait, on comprend pourquoi est-ce que les gens qui étaient camarades de promo avec lui pouvaient être un peu plus mis de côté quoi okay. il, y a, il y avait des inimitiés voilà et, et l'amiral Muselier euh, avait cette réputation justement de, ben, de, de rallier euh, en tout cas il était apprécié par les garçons qui sont allés le voir et qui lui ont proposé de monter ce premier bâtiment de fusil et marin mmh. pourquoi parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pas beaucoup de bateaux mmh. en revanche on a des armes et on peut aller se battre pour, euh, oui. pour être euh, comme fusil marin par exemple et c'est l'idée que justement vont soumettre Robert Détroyat et Jean Dimoutis qui, qui avec leurs camarades à Miodinville et tout Chalôme, euh, veulent se battre euh, ils veulent se battre et ils sont quelques-uns comme ça. Je, je pourrais citer Étienne Schlumberger qui nous a quittés il y a, je crois, a un peu plus de deux ans, qui, mm -hmm. qui habitait Crozon et avec qui j'ai pu, pu discuter. Qui, lui, euh, a carrément euh, été chargé de construction de sous-marins à Cherbourg et wow. il a réussi à ramener deux, deux, deux sous-marins en construction euh, dans un port britannique. <laughs> <laughs> alors, alors qu'il hein, qu il a ramené des sous-marins en construction dans un port britannique alors qu'ils <laughs> étaient en construction, quoi. Donc, il avait ouais, euh... ça flotté. Et, et, <laughs> okay. wow. Des enfin, formidable et, et jusqu'au jusqu bout, enfin, ah, C'est fou. Alors okay. Pourquoi Parce qu'il voilà, il tenait à se battre. En fait, mm -hmm. ces gens-là savaient, euh, savaient ce qu'était le national-socialisme et, et les conséquences mm -hmm. euh, parce qu'ils avaient vu en Allemagne, et ils avaient vu en Italie euh, le fascisme. Il ah, y ça, avait une quoi. conscience quand même déjà parce que des, certains comprenaient pas trop ce que c'était, mais certains arrivent à à, à comprendre. Ah, ok. Euh, J'avais je... une question sur. Vous des, tu parlais des fusiliers marins tout à l'heure. Euh, tu peux rappeler ce que c'est rapidement les, les fusiliers marins, peut-être pour les gens qui ne savent, savent pas ce que c'est. Alors, les fusiliers marins, oui, c'est un peu l'infanterie euh, de, okay. de la marine, mais pas l'infanterie de marine. En fait, ce, ce sont les, les, les personnes qui. Euh, bah, les commandos en font, mmh. en font partie. Hein, les personnes qui, qui sont en et qui font des opérations. Euh, euh, Maritime et terrestre. Euh, voilà, et ces fusiliers marins, ils ont, ils ont pris leur lettre de noblesse dans le courant de la Première Guerre mondiale, okay. hein, avec Dixmude notamment. Mm -hmm. Et le parallèle n'est pas loin, puisque Muselier a fait partie de la brigade Renard, qui s'est illustrée à, à Dixmude en mm -hmm. 14 pour resituer. Hein. On a tous entendu parler des demoiselles au Pompon Rouge. Hein, ces jeunes ces jeunes marins qui montent en août 14 pour euh, repousser. Euh, enfin, tenter d'éviter que, le, que, que les Allemands déferlent mmh. de la Belgique en France, ils sont envoyés à Dixmude en leur disant, il faut que vous teniez 4 jours, ils tiendront un mois, wow. avec 47% de pertes, je crois, enfin, des choses effroyables, wow. mais ils ont tenu, et ils ont écrit leur lettre de noblesse euh, à ce moment-là, les fusillés marins, on les connaît de là, et, et Muselier avait une, une compagnie dans la brigade Renard. Donc quand ils montent à, à Londres voir cet amiral pour leur proposer de faire un premier le premier bataillon de fusiliers, mmh. euh, l'amiral l'amiral les reçoit et bien sûr ce premier bataillon va se faire avec ces quatre garçons. Mmh qui Veulent se battre et qui vont avoir les armes. Ah, c'est Mais je ne connaissais pas l'histoire de la bataille de Dixmude pour le coup en 1914. J'ignorais qu'ils avaient appelé des marins pour pouvoir aller défendre ouais, une, ouais. vraiment aux abois de. Il faut absolument arrêter les. Voilà bah, l'hémorragie en fait. Ouais, c'est ça complètement en, au début le de le la guerre mai ouais. mais, mmh. mais là on, en 1914 ou en 1911 non plus. Ouais. Voilà, il déferlaient sur Paris hein, quand même. Donc... Ok. La brigade Renard à Dixmude Ouais, c'est ça. Mmh. Franchement, je, je redécouvre, c'est hyper intéressant. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que. Du coup, il y a un peu cette histoire de. Enfin, la, la France libre, c'est presque un, quelque chose de. Il, il fallait y croire, quoi. C'est ça aussi qui, qui, qui est assez fou. Euh, quand on parlait avec Gérald Étang, euh, il, il citait, je sais plus qui, il disait que c'était les, les clochards du général Leclerc parce qu'ils avaient tellement pas de matériel dans le désert, euh, etc. Mais j'imagine que pour toute la France, il y avait tellement de peu de matériel. Après, les Américains sont arrivés et à partir de là, les, les choses, les choses ont, ont, ont évidemment changé. Euh, on parlait de Merzel Kabil tout à l'heure. Et je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que. La marine française a un peu, euh, je trouve, euh, parfois ce sentiment de, sur la période contemporaine, un peu ce sentiment de perdant qui lui colle un peu à la peau avec Trafalgar qui est passé par là, avec Merzel Kebir aussi. En fait, j'ai l'impression que la marine française n'a pas trouvé ces moments pour s'illustrer en fait dans des, dans des conflits. Et qui a un peu ce côté un peu un peu perdant dans, dans la marine française dans l'histoire contemporaine. Je le dis comme ça. Je le dis à un officier. Et du coup, ça me fait un peu bizarre de le dire. Je, je voilà. Je, je le dis un peu comme ça. Mais il y a un peu ce, ce truc là dans l'histoire récente de la marine, quoi. Alors c'est la perception. C'est intéressant. Alors je dirais que euh, on n'a pas ce, on a ce on n'a pas ce côté anglo-saxon où euh, par moment euh, notre meilleur ennemi hein, anglais a, a su. Euh, convertir une défaite en, en, en victoire. Mm -hmm. Un exemple, euh, on parlera peut-être de Dupéret tout à l'heure, mm -hmm. la seule victoire navale de Napoléon, c'est la bataille du Grand Port, le 23 août 1810, oui. gagnée par Dupéret. Bon, ben Pour euh, Willoughby, qui était donc le, 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 le commodore, le, non, le, capitaine, le capitaine de la division euh, anglaise, qui, qui a pris une, une magistrale déculottée, euh, il a transformé cette, cette défaite en victoire, voilà, puisqu'il mm -hmm. a réussi à sauver les navires qui lui restaient et à bloquer les et endommager fortement les, les navires, mmh. euh, les bâtiments français. Voilà. Bon, nous, après, il y, y, y a de belles choses qui ont été faites. Trafalgar, c'est pareil. On, on essaie de. Je ne sais pas qui cultive, hein, mais peut-être. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, Trafalgar, on, on traîne ça comme un boulot. Mais il euh, y a eu des défaites beaucoup plus cuisantes qui ne sont oui. pas mises. Mmh. Je ne vais pas citer Aboukir, par exemple. Mmh. Aboukir, on perd quand même 15 navires sur 17 par mmh. un Nelson qui. Euh, défie toutes les lois de, de la tactique en cassant sa ligne d'attaque et en la divisant en deux pour attaquer les, les Français mmh. au mouillage sur un mouillage qui était pourtant euh, selon les règles et imprenable mmh. réputé imprenable euh, voilà donc on, et on traîne Trafalgar alors qu'en fait il euh, n'y a pas forcément oui c est, c est, c est, ce sont des défaites que mais que les Anglo-Saxons ont vécu eux aussi oui c'est ça bien sûr évidemment ah, on parlait du grand siège de La Rochelle euh, quand euh, à, à trois reprises euh, euh, la flotte britannique euh, se fait renvoyer chez elle mmh. euh, le duc, duc de Buckingham en, en, en novembre 1627 ou euh, l'amiral Denbigh euh, en mai euh, mmh. 1628 ou l'amiral Lindsay en octobre 1628 euh, ne parviennent pas à franchir euh, la, euh, la digue de la Rochelle mmh. pour ravitailler les protestants. Ce sont quand même des défaites cinglantes. Ouais, ouais, ah, donc, alors est-ce qu'ils ont une culture euh, qui est, amène à magnifier euh, certaines choses Transformer des, des fêtes en victoire. Bon, nous, je pense qu'on est conscient de ces choses-là mmh. et je pense que c'est peut-être par respect par ceux qui sont restés, mmh. euh, qu'on ne veut pas oublier et que euh, il faut. Il faut si c'est intéressant parce que euh, tu connais, parce que tu as écrit beaucoup d'articles, notamment pour le magazine de la marine, sur ces, sur ces batailles-là, notamment la bataille du Grand Port. Que je, qui est du coup une victoire française. Mmh. C'est l'île Maurice aujourd'hui, euh, le Grand Port. Mmh. Je n'avais jamais entendu parler. Alors l'histoire m'intéresse quand même un petit peu, mais je sais pas dans le chat. Est-ce que vous aviez entendu parler de la victoire du, 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 du Grand Port okay. Alors que souvent, quand on parle de Napoléon sur la mer, c'est échec de la tentative de l'idée d'invasion de l'Angleterre de en dessin. Ouais. Et, et Trafalgar, c'est Nelson bien joué. Ils étaient meilleurs que nous, quoi. Et puis c'est rideau pour la marine française à ce moment-là, quoi. Donc c'est assez fou aussi comment est-ce que finalement. On on n'arrive pas à, tu vois, remettre aussi euh, sur un, à remettre en perspective les choses. C'est oui. Trafalgar et puis c'est Point Barre pour le grand public quoi, tu vois. C'est ça. Alors est-ce que ça vient du fait Moi j'aimais beaucoup cette phrase de Tabarly, et d'Éric tabarly qui disait que, que pour les Français la, la mer c'est ce que les, les Français ont dans le dos quand ils sont à la plage. Et effectivement. <laughs> mais c'est peut-être comme ça assez euh, péjoratif, mais. Euh, on est une grande puissance maritime. On a quand même 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. On a la deuxième puissance mondiale. Ça ne vient pas de nulle part, hein, à un moment donné. Quoi. Ça ne vient hein. pas de nulle part, voilà. On a des atouts non négligeables et mm -hmm. on a un peuple maritime. Euh, donc, euh, on est une grande marine auturière de guerre. Euh, voilà, donc y a, y a, y a, on a beaucoup d'atouts euh, à faire jouer. Euh, et puis, euh, c'est pareil, je pas cité Algeciras, euh, mais euh, quand on a vengé... Euh, euh, on a vengé l'amiral Bruet euh, euh, la défaite des Boukirs euh, mmh. en, en battant les Anglais à euh, euh, Voilà, il y a mmh. peut-être eu moins de publicité je dirais qu'on a eu beaucoup de désastres héroïques <rire> <rire> ça en <on> est fort <laughs> voilà. mais, mais je pense qu'il y a peut-être une volonté aussi de, de ne pas oublier justement ceux qui, ceux qui sont restés mmh. ça c'est une grande force justement des, des armées en général hein. ce, 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 ce mémoire, ce, cette mémoire c'est pas un devoir de mémoire, justement, c'est une mémoire et on en parlera peut-être dans, dans tout ce qu'on fait. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que dans, dans la marine, ce qui est passionnant, c'est qu'on vit l'histoire au quotidien, mais en même temps, euh, on a cette référence en permanence à nos aînés. Mm -hmm. euh, parce que ben chacun porte euh, cette histoire okay. et, et va la prolonger pour les autres. Mm -hmm. Ce qui donne lieu après on en, on en parlera aussi sur la tenue et les traditions euh, des, des gens d'urbaines qui sont assez cocasses. On parlera de la ouais, ouais, carrément si ça, es, on, fait, on va ouais. en parler parce que tu as ramené des petits objets et tout, j'ai vraiment envie qu'on j'ai vraiment envie qu'on qu en parle. Euh, en parler d'histoire de la marine, il y a des cocos -co qui n'ont pas une question de chasse, est-ce que tu peux lui demander à quel point la est-ce que la Révolution française a affecté la marine à un moment donné et comment est-ce que ça s'est est-ce que ça, ça a touché la marine cet événement quand même assez fort parce que c'est que la marine a pris un gros boom aussi sous Louis XIV euh, qui, a, qui a beaucoup financé la, la marine à, à un moment donné. Est-ce que la est-ce que la Révolution française on parle souvent des, des du citoyen français qui va se battre contre les grandes les grandes puissances euh, les grandes puissances qui essaient d'envers de, la France pour remettre un, une tête couronnée à la tête du, de, de la France. Est-ce que la marine a eu quelque chose à jouer là-dedans Comment ça s'est passé oui, 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 la marine, merci de cette question. Effectivement, elle est très intéressante parce que c'est une période assez méconnue, finalement, mmh. euh, de la marine. Euh, on est arrivé d'une marine d'ancien régime avec une marine euh, avec des corps, euh, les, les officiers rouges, les officiers bleus, des enfin, officiers riches qui étaient issus de la noblesse et officiers bleus qui étaient issus euh, du peuple, justement. Ok, intéressant. Okay. Euh, et et, et euh, on est arrivé à ce niveau-là où, avec la Révolution française, euh, la déclaration des droits de l'homme du citoyen, en fait, tout le monde était égaux. Donc, on a on a cassé un peu ces, ces codes-là. Euh, et il y, a eu un, il y a eu en fait un, une ambivalence entre les deux, entre ce désir d'émanciper finalement les, les équipages, mais en cassant un peu quand même cette chaîne, mmh. on parlait justement tout à l'heure de l'importance du rôle de chacun, et on en reviendra sûrement dans, dans, mmh. dans un, sur un bateau, hein, dans les actions, euh, et, et, cette, et, et les, les impératifs nationaux, je m'explique. On a eu euh, de bonnes actions à faire, des actions euh, guerrières, euh, quand le convoi de l'amiral Van Stabel, euh, pour en II, euh, vient amener un convoi de blé alors que mm -hmm. la France est affamée, puisque la France se bat, Gemap, elle se bat un peu partout mm -hmm. contre les puissances euh, couronnées qui tout sont à fait contre elle. Euh, et ben ce convoi, euh, il réussit à passer parce qu'il y a un Villaret de Joyeuse, qui est l'amiral qui commande la flotte euh, du Ponant. Mm -hmm. Euh, qui, euh, bah, qui va intercepter, qui va faire en sorte, euh, en combattant les Anglais, que euh, ce qu'on voit passe. Euh, mais la particularité de l'époque, c'est que euh, les conventionnels, on arrive à la mm -hmm. convention, sont à bord des bateaux. Okay. C'est-à-dire que maintenant, euh, le commandant n'est plus le maître à bord, il a un représentant du peuple. Ah, ok, Ah, voilà. ça c'est fou. Ah, et, intéressant. Et, et Donc, il n'y a on... plus de... Le, le, Ceux qui à la tête du navire n'est plus vraiment un militaire, c'est un... C'est un citoyen, du coup, à ce moment-là qui navire. On a le commandant qui commande, enfin mmh. le capitaine à l'époque, euh, on a son équipage, mais on a également le représentant du peuple. Wow, okay. Ce qui a donné lieu par moment à, à des situations où euh, le commandant peut être désavoué devant son équipage parce mmh. qu'il euh, aurait commis quelque chose d'antipatriotique. Donc c'est okay. une période qui est quand même assez, euh, assez compliquée pour tout le monde mmh. parce qu'il n'y euh, a pas de moyens euh, pour équiper les bateaux. Y a, les équipages sont aussi appelés pour sauver le sol national. Contre ces puissances coalisées, euh, mais néanmoins, il euh, y a quand même une marine qui essaie de fonctionner. On est, on réussit à monter une expédition en Irlande en, Irlande en mm -hmm. 1798, d'ailleurs, dont don les Irlandais célèbrent l'intervention avec le maréchal, le général Humbert. Mm -hmm. euh, ça, c'est. Et c'est quoi cette intervention du coup S'ils vont va aider les, les Irlandais euh... Aider les Irlandais justement à chasser les Anglais euh, <laughs> en Irlande. Si on peut aller embêter ouais, les euh, Anglais, euh, <laughs> de, non, ne, ne nous chez pas <laughs> Mais voilà, mais ce qui veut dire qu'on a les capacités de projeter des forces avec des bâtiments français. C'est okay. intéressant. Donc cette période, elle est, elle est, elle est assez compliquée. Effectivement, l'immixion de, de, de ces représentants du peuple, euh, elle a du bon parce qu'effectivement, le peuple est en direct. Mm -hmm. euh, et on est au moment de la convention. Hein, je peux parler de Jean bon saint qui est le, le conventionnel qui va être détaché à Brest, puisqu'on on y reviendra tout à l'heure sur l'histoire de Brest, mais qui est détaché à Brest parce que lui, il est, il est plus spécialement affecté aux affaires de, de la marine. Et que Brest est le port du, du Ponant, euh, donc là où on a le plus de moyens. Euh, et Brest, à l'époque, euh, effectivement, est un, est un port euh, avec beaucoup de moyens. Et voilà. Ouais, je suis en train de vous le, de vous le préparer. Donc, Jean-Bon Jean Saint-André, hop, je vous le mets. Voilà, ce monsieur. Voilà. Et, et du coup, euh, donc, pour revenir sur, sur, la, sur la Révolution, il y a de belles choses de réaliser, mais. Parfois avec une émiction euh, mmh. de ses représentants qui ben justement euh, viennent casser un peu la chaîne de commandement. Il y a un bateau, c'est complexe. Et Napoléon justement ben, verra qu'on peut pas bouger euh, des escadres mmh. euh, ou des divisions comme on peut bouger euh, complètement euh, ouais. un régiment. Euh, et effectivement, si on veut revenir après sur sur ce grand dessin là de d'envahir de, l'Angleterre, mmh. c'est quand même un projet fou, pharaonique, mais qui aurait peut-être pu marcher. Oh là là. Il y avait oh non, <laughs> les gens dans le chat. On aime beaucoup le rugby, donc du coup la rivalité avec les Bretons est en... avec les Britons, On appelle ça les Bretons dans le chat est encore exacerbée avec les Anglais. <laughs> donc là attention, là tu touches la corde sensible du chat. Hein, si tu dis qu'on était à deux doigts de le faire, <laughs> euh, avant de pas, euh, donc oui, du coup en fait on n'était pas loin. Donc il y avait une possibilité de peut-être aller. Euh... En fait le projet était fou et il a été. Euh... Et là je... on parlait tout à l'heure de, de choses et ce qui est sympa dans l'histoire, c'est qu'au final on peut aller. Euh... On peut digresser, et je voudrais pas trop digresser, parce que <laughs> euh, j'aurais quand même rappelé qu'on est dans le bicentenaire de, du 18 Brumaire, et que lors de, du 18 Brumaire, c'est quand même un amiral qui a aidé euh, le, le, le futur premier consul à, à prendre place. Mais euh, la souche Tréville, qui était l'un des amiraux euh, que, 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 que Napoléon euh, mettait au premier plan, il aurait. Qui, aurait bien, qui, qui a mis au point ce, ce, ce projet de grand dessin, qui était quand même assez fou. C'était d'envoyer la flotte du Ponant à Brest, la flotte du Levant à Toulon, l'escadre de Rochefort dans les Caraïbes pour forcer Nelson à les suivre et ensuite de revenir dardard sur euh, la Manche pour que les flottilles de Pram et autres chaloupes et félouques qui ont été mises dans chaque port euh, de Boulogne, en bleuteuse, vimereux, euh, mmh. qui étaient qui aurait été euh, chargé de, de, de troupes puisse aller euh, faire une opération amphibie sur l'Angleterre tandis que Nelson était dans les Caraïbes c'était en fait feinte Nelson en disant exactement. on envoie beaucoup de troupes dans les Caraïbes pour menacer les intérêts anglais euh, on va dire dans dans des colonies etc et en fait réussir après à créer une porte ouverte pour euh, envoyer une opération amphibie exactement et ce qui n'a pas marché finalement ah. bah, c'est que les de Villeneuve a dû se replier sur Cadix, hein, et du coup, Nelson s'apercevant de la supercherie est revenu. Très et le 21 octobre 1805, pas nous prenons une magistrale déculottée qui laissera effectivement des traces, parce mm -hmm. que c'est une oui, un traumatisme, mm -hmm. mais, mais dont la marine a su se relever par la suite. Ouais. Hein, voilà. Et c'est peut-être justement l'après-premier la empire qui sera qui, un peu est compliqué, plus ouais, qui est compliqué à gérer. Alors qu'on sait que Napoléon III. Après, on connaît mal Napoléon III, je pense, de manière générale. Napoléon III a révolutionné la marine. C'était très intéressant. Alors, av avant d'aller plus loin, euh, on parle souvent de ça aussi sur le live. Et vous savez, dans le chat, on en parle souvent. C'est la success story alors de Napoléon, mais en fait de beaucoup de maréchaux de Napoléon. Tu vois, euh, que ce soit Murat, Bernadotte, il y a beaucoup de gens qui étaient des petits gens et qui ont monté l'échelle sociale parce que, vu que les maréchaux de l'Ancien Régime. Euh, sont partis de, de, dans les autres royaumes couronnés en Europe, ça laissait beaucoup de place à ces nouveaux chefs militaires qui vont s'illustrer pendant l'Empire. Est-ce que c'est le cas aussi, enfin, peut-être que je te pose une, une colle, je sais pas, mais est-ce que c'est le cas aussi pendant l'Empire Est-ce qu'il y a des amiraux qui sont. Enfin, qui, ceux qui deviennent amiraux pendant l'Empire étaient des gens qui n'auraient pas forcément pu le devenir euh, parce que, bah, oui, que l'ancien régime fait que tu es bloqué Voilà, donné, euh, pas noble, euh, ouais, c ou ça. alors euh, décrié. Il y a, y a ce, ce vent, quand même, je peux te dire qu'il faut revenir à l'époque, mais euh, ce vent de, où tout est possible. Mm -hmm. euh, quand, quand Bonaparte revient d'Égypte, euh, amené par Honoré Gantôme, qui deviendra amiral, mm -hmm. voilà, euh, Napoléon, enfin Bonaparte, je par là, hein, Bonaparte, euh, il a toujours dit qu'il voulait avoir euh, des, des, des officiers qui ont de la chance. Mm -hmm. Et il recrute au talent, certes, mais aussi avec de la chance. Euh, et ceux qui ont de la chance, ben Gantôme le ramène quand même de, de l'expédition d'Egypte en fin de temps, la station anglaise. Mmh. Donc lui est sous les bonnes grâces. Euh, du Perret, du en fera partie. Du euh, boost capitaine amiral, il a commencé pilotin, il n'était pas destiné à devenir amiral, il a fait des actions d'éclat face aux Anglais, il s'en est sorti, il a la chance. Euh, et en fait, il faut aller sur le sol de triomphe pour bien revoir tous ces, tous ces amiraux qui ont éclos sous l'étoile. Sous puisque Gantôme disait, disait souvent de Napoléon Nous naviguons sous son étoile. Et je trouve que l'image est belle, <laughs> parce que finalement, euh, l'étoile, pour un marin, c'est quand même euh, la rose des vents c'est quand même euh, quelque chose qui qui aide à la navigation. Très fort en termes de symbole, ouais. C'est un amer remarquable. <laughs> euh, et, et sous l'Arc de Triomphe, il y a quelques marins. Il y a le combat du Grand Port, naturellement, mais oui. il y a quelques marins, dont euh, Albert. Ah, je ne savais pas Thôme, du tout qu'il y avait le... le... Je savais qu'il y avait quelques grosses batailles, effectivement, menées par Napoléon, mais je ne savais pas qu'il y avait des batailles maritimes aussi sur le Grand... Ah, ah, okay. grand l'Arc de Triomphe, point. je, je l'ignorais. Et, et du coup, voilà. Donc Napoléon aura aussi cette euh, pour ses marins, bien que, effectivement. Euh, on a prêté, et on verra peut-être aussi dans la tenue, hein, beaucoup de choses à Trafalgar et au fait que Napoléon n'aimait pas ses marins. Je, je pourrais dire que ce n'est pas, pas exact. Mm -hmm. Parce que Napoléon a quand, même, euh, a quand même, à Anvers et à Venise, euh, a quand même, quand même servi de ses arsenaux. On ne sait pas qu'il y a un arsenal à Venise. Non, Pour pas temps, du tout. On a construit des bateaux. À Venise, <laughs> à Venise, okay. à Venise des, des sauts de 64 canons. Voilà. Waouh, oui, quand même des ouais. gros. Ok. À Venise, on a, on a Venise, fait ça. Ouais, ouais, y un système. Il y a un arsenal, de, l'arsenal des Doges, hein, et, et, et sous, par, des, par des chameaux. On les construisait mm -hmm. dans les cales sèches, et quand ils étaient à flot, il y avait ce qu'on appelle des chameaux. Il mm -hmm. euh, y a un très beau musée à Rochefort, le musée de la Marine. D'ailleurs, je pense que celui de Paris qui vient de rouvrir. Euh, oui, le musée de Paris. Oui, tout à fait le musée de la Marine de Paris. Alors, ouais. qui est juste à côté du musée de l'Homme, euh, au Trocadéro, qui vient de rouvrir euh, il y a pas longtemps. Ils ont refait la muséographie N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ils ont des, des trucs super intéressants, notamment les des maquettes des premiers sous-marins français euh, qu'on construit sous, Nupel, sous Napoléon III. Et je vous conseille d'aller regarder parce que il y a un délire 20 000 lieux sous les mers très 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 présent euh, sur ces, sur ce genre de, de navire. quoi. Donc, euh, donc oui oui euh, c'est je non franchement euh, très très intéressant. Et tu reparlais juste avant que je te coupe la parole. Donc des chameaux veux... voilà. Sur les chameaux. Ah, en fait chabots, ce sont des, des espèces de, de bateaux-portes qui permettent euh de surélever mmh. un vaisseau et de l'amener pour passer les bâtons et de l'amener en haute mer. Donc, à Venise, on avait cet arsenal. Il a, il a restauré aussi l'arsenal d'Anvers. Enfin, mmh. Mais en revanche, au détriment, et peut-être on en parlera à Brest, de l'arsenal brestois, euh, qui, lui, était bloqué par la station anglaise. Donc, de fait, oui. euh, c'est difficile d'en sortir. Oui, c'est ça. Alors, justement, on va, on va commencer à, à, à s'intéresser un peu à Brest, mais c'est intéressant aussi qu'on... J'aime bien qu'on qu 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 parle un peu de la marine, parce que, tu vois, je trouve que même... Euh, alors euh, sur internet, dis moi si je dis une bêtise euh, les gens mais sur internet je trouve qu'on parle rarement de l'histoire de la marine il y en a, il y a un, un youtubeur qui commence à s'intéresser à ça qui s'appelle le capornier qui commence à parler un peu de plus en plus de, de marine etc mais on parle rarement je trouve de, on parle beaucoup des grandes batailles terrestres etc mais on parle rarement des bah, de Trafalgar, enfin des, de, de l'histoire de la marine même de manière, de, 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 de manière générale donc je trouve que c'est chouette qu'on puisse, euh, qu puisse justement échanger là dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop, enfin le grand public en parle rarement et je trouve que c'est c'est intéressant d'en discuter. Il vient de sortir un livre d'ailleurs. Ah, ok, d'accord, très bien. Bah, écoute, euh, très, très intéressant. Merci beaucoup, Flatron, qui dit que le live est très intéressant. Ça met en lumière la marine. Il trouve ça très cool. Donc, euh, c'était le puits de savoir. Bon, là, attends, oh, là, là attention, là. <laughs> Il y a un puits de savoir. Tu sais qu'il y a des gens qui disaient que tu étais leur commandant euh, quand ils étaient euh, euh, au CIN. Ils, ils, ils ont dit ah, non, mon commandant, etc. J'étais là, etc. Très touché. Ouais. <laughs> c'est vrai, on, on en parle moins. Ouais, c'est vrai. Le 23 novembre, ah ok, donc ça va sortir effectivement sur Sofiane le, le bouquin du, du, du Capornier. Euh, Peut-être qu'on peut commencer aussi à un peu parler de, de Brest parce que euh, on, va, on va parler un peu de l'expérience que moi j'ai eue en allant à l'Arsenal, qui était vraiment hyper intéressant. Et du coup, d'où ça vient l'occupation de, de Brest comme base militaire en fait euh, Parce qu'aujourd'hui on a le château. Euh, Brest a été une ville qui, je le rappelle, a été euh, détruite à plus de 90% euh, pendant la guerre. Donc c'est vrai que euh, le château est un des grands vestiges, on va dire, de l'occupation de la marine à, à, à Brest. Mais d'où ça vient l'occupation euh... Alors au commencement était Richelieu. Enfin, on, ouais, on, Je... on, peut, on ne peut pas ne pas parler de Richelieu. Euh, Richelieu, quand même, grand maître de la navigation. Pour revenir en 1626, on va essayer de la faire courte quand même, parce que sinon on va prendre toute la soirée. Mais ça fait, que ça fait presque une heure déjà qu'on est en live. <laughs> déjà, mais <t'sais, rire> mais c'est fou, hein, le temps passe trop vite quand on est en live. Histoire, de toute façon, ça ouais. passe toujours trop vite. Je vous mets une petite photo du château de Brest comme ça pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est assez ouf d'avoir ça dans une ville qui, enfin, euh, dans une ville comme Brest, c'est assez, assez dingue. Alors pour la faire courte, donc en 1626, euh, Isaac de Razilly, qui était un chevalier de Malte, euh, grand navigateur euh, militaire, euh, fait, et fait un rapport, un mémoire plutôt, à, à, à Richelieu, qui est devenu grand maître de la navigation et grand intendant euh, du réseau fluvial de France. Mmh. En fait, il a racheté toutes les charges parce qu'avant c'était des charges. Mmh. Euh, et faire un, un mémoire en, en concluant que finalement un souverain euh, s'il n'a pas le pouvoir sur mer euh, ça sert à rien qu'il ait le pouvoir sur terre je, sais, mais je, je raccourcis <laughs> je coupe dans les virages euh, ce qui va donner lieu à s'intéresser à faire une étude ce que ce que diligentent Richelieu mmh. sur le terrain pour savoir quels ports quel port peuvent accueillir des flottes militaires euh, peuvent construire des bateaux euh, peuvent les entretenir et en 1631 ce rapport là eh ben, il aimait que Brest est un, est un spot très intéressant, pourquoi Parce qu'il y a une rade euh, parce qu'il y a euh, la Pinfeld qui est une rivière qui permettrait justement de, de faire entrer des vaisseaux, il y a, il y a cette position privilégiée, une hein, espèce de, de péninsule qui avance. Donc euh, ça qui... c'est la, la rade ici que vous voyez voilà. et effectivement la Pinfeld qui est ce, hop, ce bras de mer en fait, qui rentre ici voilà. et donc du coup l'endroit est propice euh, pour euh, créer quelque chose. C'est 1500 personnes environ Brest à l'époque. Ah oui, c'est un peu hein, Bro... hein. voilà, <laughs> de, de personnes. Rien de t'occuper. Et euh, ça ne va pas se mettre en place tout de suite. Pourquoi Parce que euh, ben, les guerres sont ce qu'elles sont. Il faut voir aussi qu'à l'époque, euh, de Richelieu, on n'a pas de marine. On, on, on loue aux, aux, aux Hollandais ou aux Anglais. 1625, quand ah, on, l l on loue aux Anglais, c'est ça, vous... ça que tu nous dis Non, je ne peux pas y croire qu'on s'est battu avec des marins anglais. <laughs> je ne peux pas s'y croire. L e -l -l Le deal était qu'on louait au duc de Buckingham des bateaux pour aller contrer la flotte Rochelaise qui était prégnante, prééminente, mm. mais avec mi-équipage français, mi-équipage anglais. Voilà, C'était assez compliqué. Mm. <laughs> mais on vous appelle aux Hollandais, aux Anglais. Et Richelieu, lui, il se dit, si je veux l'indépendance, il faut que j'aie ma marine à moi. Donc, il commence à faire construire des bateaux, les premiers arrivants. C'est fort quand même de se dire que Richelieu, enfin, qui n'est pas tête couronnée, Richelieu, mais qui, bon, on sait l'importance qu'il a, prennent la décision de se dire il faut qu'on ait cette marine-là. C'est quand même une grosse initiative. Il convainc Louis XIII aussi. Hein, voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais avec ce testament politique aussi qu'il écrira à sa mort, justement, en disant qu'il faut continuer le travail parce qu'il n'a pas eu la, la ressource d'organiser tout ça. En fait, le premier qui va le faire, c'est Colbert. Colbert va organiser la marine, mais de manière. Administré, administré, mais que ce soit pour la marine de commerce ou la marine militaire. Ah. 1668, l'inscription maritime. Quelque chose de fabuleux. En fait, à l'époque, l'ancien régime, on n'a pas de marine, on n'a pas de marins, mais euh, on fait, euh, ce que les Anglais continueront à faire assez longtemps, on, on fait des, des levées, en fait. Euh, euh, on va aller capturer des, des jeunes pour aller les mettre sur les bateaux. Capturer, on les capture. Voilà, c'est ah, bon. les Anglais, les, les Anglais font ça. Ouais, hein. <laughs> ah donc on capture des gens qui, qui n'ont rien demandé et on les fout sur des bateaux. Exactement. D'accord, très bien. Hein, c'est ce qui aboutira, dans, pour les Anglais, bon du siège de La Rochelle, mais au Cadix hein, en 1625, il y a des grands désastres parce que les gens ne sont pas marinés, les gens. Euh sont pas aptes à être sur un bateau. Alors, à mariner, c'est quand on n'a pas encore. À euh... mariner, c'est prendre. Euh, voilà, c'est s'habituer à la mer. Ouais, c'est ça, euh, exactement. Ne pas être nauséeux, avoir le mal de mer. il n'y a ou... pas encore le cachet contre le mal de mer. Hein, donc. Ça. <laughs> le fait aussi de savoir quoi faire sur un bateau, c'est aussi être à mariner. Bien sûr. Ah oui, donc euh, prendre, comprendre ce que c'est, euh, devenir marin, quoi, finalement. Euh, très bien. Donc, euh, Richelieu comprend ça. Colbert euh, donc imagine l'inscription maritime. En gros, tous les marins euh, du pays euh, sont capables d'être appelés pour servir sur les bateaux de guerre. On a une manne providentielle. Un bon recrutement à l'époque. <laughs> Et donc, on est en 1668, on administre ça. 1689, on a l'édit de Louis XIV euh, qui décrète la marine royale, comment elle va être organisée avec son entretien, ses bateaux. Et on a quelque chose de construit. L'administration, elle commence là. Je vous mets Colbert, hein, voilà, Colbert et donc ses successeurs, hein, Seignelay, Pontchartrain, continueront la mission, ce qui fera qu'on a une marine vraiment structurée et on va donner naissance après à des Latouches-Tréville, des amiraux dont je pas écrit okay. tout à l'heure. Euh, et donc ça vient de Richelieu, tout ça. Et donc Brest, pour en revenir euh, au port du Ponant. Euh, Brest euh, n'est pas euh, un chantier de construction. Hein, quand en 1631 on fait ce point de vue avec 1500 habitants, on n'a pas les infrastructures et puis on n'a pas les personnes pour pouvoir entretenir et construire des bateaux. Euh, donc on va mettre tout ça en place. 1789, on arrive à plus de 25 000 habitants. Ah, Alors, on oui, arrive ça. quand même à quelque chose de, de plus conséquent. Pourquoi Parce qu'on euh, a euh, tous les corps de métier mm -hmm. en fait, hein, des charpentiers de marine, euh, de l'industrie, et, et on commence à monter des choses. Il y a déjà le bagne qui est mis en place à ce moment-là ah, pas Non, pas, encore, pas du tout. Pas encore le on bagne. On va arriver cas. justement à cette, à cette, à cette façade-là où on va arriver euh, vers 17, à 1745 mmh. en fait, hein, là où voilà, le bagne est construit. Euh, le magasin général, en fait, le magasin général quand on va à Brest, tu, tu vois le, euh, la porte Tourville, mmh. où, euh, quand tu prends la rue Pasteur, la porte Tourville où il y a le premier bassin. Ah oui, fait, oui. C'est oui. là le, le, le premier arsenal hein, où on va ah. avoir un bassin pendant ah. quelques années, fin 17e. Okay. Et en 1745, il y a un ingénieur qui s'appelle Choquet de l'Indu qui va les construire les formes de Pontianou, juste en face. Mm -hmm. Avant, on parlait du bassin de Brest. Euh, après, on va parler euh, de l'arsenal de Brest, parce qu'on commence euh, à construire des bateaux. 1745, on commence à construire un magasin général donc, qui est détruit pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, on voit toujours l'emplacement, euh, bah, la forme de Radoub et de la consulaire mm -hmm. qui est toujours là. Euh, et 1745, et, et 1755 de mémoire, hein, euh, ça date le bagne, justement, qui okay. est la corderie haute et basse, et on a un arsenal qui prend forme, justement, dans cette euh, seconde moitié du, 18, du 18e siècle. Donc, Donc là, voilà, je vous remets un peu les, les, les bords de la pinfelle pour que vous puissiez voir, mais en gros, si vous voulez, c'est la partie pixelisée, parce que vous ne pouvez pas y accéder si vous êtes, euh, si vous êtes euh, on va dire, civil. Mais en fait, euh, tout là, en fait, c'est des bâtiments militaires et le château en fait surplombe pour ceux qui sont jamais à La Brest, et Je vais d'expliquer mais en fait, c'est très particulier Brest, parce qu'en fait, on a une base militaire au milieu de la ville. Euh, parce qu'en fait, là, vous avez, euh, euh, ben, vous avez des commerces, des habitations, etc. Moi, d'ailleurs, j'ai habité un peu en haut là, par là-bas, à un moment donné. Là, vous avez un autre quartier et en fait, vous avez des des bateaux militaires au beau milieu de la ville et en fait, vous passez au-dessus de ce pont hein, que vous voyez ici, le pont de Recouvrance. Et en fait, bah, vous avez euh, bah, la marine qui est là et, et vous les voyez, mais vous ne pouvez pas y aller. Donc, c'est un peu particulier parce que vous voyez ce qui se passe, vous voyez il y a des gens qui y travaillent, etc. Mais vous ne pouvez pas aller dans la base parce que c'est une base militaire. Hein. Donc, si vous n'êtes pas militaire, vous, vous, vous n'y allez pas. Et donc, euh, du coup, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'une ville se développe autour de, autour de cette base. Quoi. Donc, 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 euh, donc, voilà. Et donc, finalement, maintenant, cette base prend, prend, prend forme... Euh, en fait, ça, elle, elle devient, on va dire, au milieu du 18e, du coup, un peu l'arsenal la, comme on le connaît un peu aujourd'hui. Après, il y aura des modifications, Alors, évidemment, mais autour de la Pinfel, en tout cas. Telle tel qu'on le connaît un peu, plus, un peu plus tard, en fait, puisque euh, la, la Ninon, par exemple, tu vois, si tu, tu, tu as tous les quais qui vont après. Euh, mm -hmm. La Ninon et même le parc à Hachene que tu connais là maintenant, euh, ouais. euh, qui va sur le port de commerce, en fait, tout ça, c'est venu beaucoup plus tard. Ça, ça date des années 30. La Ninon et le parc euh, le parc Hachene, c'est venu plus tard. D'accord, en fait, c'était une grève. Quand mmh. on voit les, les, les gravures ou les toiles d'avant, mmh. c'était une grève, euh, comme au cas de Pompe, tu vois un peu. D euh, Maison Blanche, on est un peu dans, dans, dans ce, ce schéma-là. Et les quais ont été construits dans les années 30. Certains n'étaient pas terminés même quand les Allemands sont arrivés. Mmh. Mais ça s'est construit au fil du temps. En fait, il y a la période de Brest. Il va y avoir, euh, et pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur Louis-Philippe notamment, on va avoir entre 1800, après l'Empire, en fait, et, euh, et la fin du, du 19e, une espèce de pas de flottement, mais la révolution à la vapeur. Mmh. Ah, oui. Et là, on industrialise beaucoup de choses parce que des vaisseaux à voile avec, mmh. euh, avec des haubans et tout ça, on passe à, à la vapeur, à l'industriel, on construit le plateau des capucins. Et là, on est dans un registre un peu plus... Euh, euh, où on modifie l'architecture, mmh. donc euh, peut-être un peu moins d'action. Mmh. Et c'est vraiment dans les années 30 où on va gagner du terrain. Et quand les Allemands arrivent, en fait, on, on a à peu près le, le schéma qui permettra. Euh, c'est les Allemands qui vont apporter la dernière touche avec la, la base sous-marine aux quatre pompes. Oui, tout à fait, exactement. La base sous-marine qui est là, j'ai du mal. Au là, fond, vous... là. Ouais, tu l'as. Qui est là, là. En fait. du Seyel. Ouais, c'est ça. La base navale donc, qui est impressionnante et qu'on avait pu, aller, qu avait pu aller, à, mmh. aller visiter, justement, quand on y était allé. Et c'est vraiment, euh, vra vraiment assez dingue. Euh, pour parler, tu parlais des années 30, etc. Et j'ai envie qu'on parle un peu de ce qu'est être marin. Euh, hier et un peu aujourd'hui aussi, au final, parce que tu parlais de l'industrialisation. Aujourd'hui, on a quand même tendance à penser que quand on devient marin, on va sur des bateaux. tu on pense tout de suite au Charles de Gaulle, tu apportes porte-avions, mmh. euh, gros, gros bateau et on se dit qu'on se forme, peut-être qu'on se forme sur des plus petits bateaux, mais qu'on y arrive là-dessus. Et quand je suis allé, du coup, euh, à, à Brest, et je vais vous le montrer, j'ai eu la chance d'aller sur l'Étoile, qui est le plus vieux bateau-école de la Marine nationale l'un des plus vieux, en, plus vieux. En, en, en tout cas non, la belle... ça se joue à 4-5 ans ouais, l'un des plus vieux en tout cas et qui a, et qui a un, un bateau à voile ouais. et en fait euh, j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment là le, le, le commandant donc qui, est, qui est William donc lui qui est capitaine de corvette donc il est à un grade en dessous de, en dessous de toi, si je, dis pas de, si je dis pas de bêtises. Il dit commandant. Mais il est commandant. Il est commandant. Euh, et ah, il est commandant. Alors attendez, ah, ah, la, la, la vidéo. La, 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 je vais vous la, 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 la ramener. Ah, donc, donc, ça, ouais, je pense que dans des écoles militaires, il y a cette formation militaire. Pour que je puisse un peu vous, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que. Et la question que forcément je, je me pose, c'est à quoi sert d'apprendre aujourd'hui sur un bateau à voile quand on est marin Parce qu'en fait. Bah c'est magnifique, et c'est vrai que ça, moi qui suis fan d'histoire, je vais sur un bateau comme l'étoile, je, je regarde partout, j'essaie de comprendre. Etc. donc je, Moi en tant que fan d'histoire, mais en tant que marin aujourd'hui, à quoi ça sert encore de naviguer sur des bateaux comme ça ça, ça, ça donne du sens déjà. Euh, mon expérience directeur à l'école des mousses, euh, vraiment, me confirmé à plusieurs reprises, la, la mer, elle s'apprend au ras des flots, euh, parce qu'on voit les courants. Quand on manœuvre, manœuvre l'aviron, euh, pour avancer ensemble déjà, il y a l'effort collectif et en plus euh, pour avancer dans le bon sens, il mm -hmm. euh, y a un ouais. effort à fournir. Donc on, les courants, le vent, tout ça, on l'apprend au ras de l'eau. Euh, les voiles, euh, c'est immuable en fait. Euh, quand tout le monde tire sur euh, les écoutes euh, pour pouvoir euh, affaler, enfin euh, hisser une voile plutôt que l'affaler. Faire une manœuvre, mmh. euh, on est déjà ensemble, c'est l'esprit d'équipage, c'est un effort collectif, euh, qu'en plus il est rythmé au son du sifflet. Hein. Si on vient Après, dans les objets de tradition, ça en fait partie. Ouais. Fait. On vit l'histoire au quotidien, oui, mais enfin, c'est indispensable. En fait, pour savoir, euh, pour être sur un bateau à haute technologie, il faut avoir les bases, les bases de la vie maritime. Et les bases de la vie maritime, c'est bah, de connaître le, le, le vent, son influence mmh. sur le bateau. Et je dirais qu'une frégate multimission moderne, elle a des influences euh, des courants, des oui. vents. Euh, C'est un lien, tout ça. Il faut les comprendre. Quand on suit une route, euh, la route, euh, on a beau avoir un GPS, mais euh, on va pas tout droit. Mm -hmm. On suit un cap, mais euh, il y a le fameux PIM, le point d'estimation, oui. où on pense arriver à telle heure pour cal calculer sa vitesse, mais on, on doit faire euh, en permanence des recalages. Ouais. Euh, je m'explique. Euh, en passerelle, euh, le commandant ou le chef de quart donne son ordre à droite de 25. L'homme à la barre va dire à droite de 25 pour bien montrer qu'il mmh. a compris. Et quand la barre sera à 25, il dira la barre est à 25. Et le chef du quart dira bien. D'accord. Ça, c'est la marine à voile. Mmh. Et ben, C'est toujours en vigueur sur les passerelles à l'heure actuelle. Ah, donc, il y a tout cet ensemble de choses qui fait partie. On peut parler de la formation initiale, ça y concourt. Hein. L'aura des flots, mais la connaissance. Euh, des goélettes et d'évoluer en goélette euh, puis c'est aussi ben, la mer est un milieu euh, redoutable euh, ça apprend l'humidité je crois que c'est la vertu cardinale du marin c'est l'humidité parce que euh, on part en mer euh, la mer elle, elle, elle est puissante bon, on l'a vu avec les épisodes mmh. de la tempête hein, par exemple hein, mais euh, si on reste pas humble euh, on, on va risquer l'erreur et l'erreur peut être fatale mmh pour l'ensemble de l'équipage et du bateau. Il euh, y a un deuxième point aussi qu'on apprend, et ça c'est dans la méthode de formation initiale, mais c'est dans l'ADN de tout marin, c'est l'anticipation. Mmh. Voilà, parce que si on part en mer et qu'on n'a pas prévu euh, ce qui peut se passer, hein, eh ben, on risque d'être pris au dépourvu. Que ce soit en carburant, que ce soit en victuaille, que ce soit en mmh. temps, en météo. Oui, ouais, complètement. Et tu vois, il y, y a un côté que je pense qui est euh, vachement euh, sous-estimé, sous tu dis de camaraderie aussi, les gens parlent de ça aussi et euh, tu vois, je t'ai expliqué en off, mais je le redis aux gens, je vous en ai parlé, vous savez, on avait fait euh, une aventure euh, avec des amis qui font des bateaux vikings et qui euh, du coup font des expéditions pendant un mois, je les avais rejoints une semaine. Et on n'est pas dans un cadre militaire. Pourtant, tu as quand même un capitaine qu'il faut suivre, on avait des équipes de car, on naviguait à la voile. Et, euh, et en fait, tu te rends compte quand même qu'un bateau, ça reste quand même un... Notamment quand tu es en mission, c'est en vase clos. Donc il faut quand même... Euh, mettre un peu son ego de côté, c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu ce truc de, euh, bah, il faut que ça se passe bien à bord, parce qu'on était, tu sais, était sur un bateau de 11 mètres de long, on était 11 personnes à bord, donc euh, tu te disais il faut quand même faire des efforts pour que tout se passe bien, pour que tout le monde soit tiré dans le même sens, parce que on a eu un coup de flip, à un moment donné on tape dans un poteau en pleine mer, euh, parce qu'il y a un dysfonctionnement de communication, et du coup, euh, bah, on, est, euh, bah, du coup on se rate et du coup on, on essaie de débriefer, etc pourquoi Parce que bah, quelqu'un a court-circuité, la... alors on est des amis qui faisaient du bateau, mais quand même, il y a quand même des ordres à respecter. Et du coup, je pense que dans un cadre militaire, c'est encore plus le cas, où tu es encore plus nombreux et où ton navire est encore plus imposant. Tu te rends compte quand même de pas mal de choses, juste de naviguer une seule fois à la voile, en fait, de toutes ces choses-là qui sont importantes et de ce, ces cadres à respecter, parce que sinon, euh, nous, c'était juste naviguer entre, entre amis. Mais alors, quand il faut mener un, des missions ou ce genre de choses, je n'imagine pas le nombre de choses qu'il faut savoir faire sur des navires, à voile ou pas, d'ailleurs, mais euh, voilà. Donc, euh, je je comprends cette expérience, m'aide un peu à comprendre ce que tu dis de manière un peu différente qu'avant. Qu Effectivement, à la réflexion de ce que tu m'as dit en off, euh, je pense qu'il y a un principe très simple, c'est qu'on qu qu a tous euh, dans la marine, c'est que chacun euh, connaît sa place. Mm -hmm. En fait, on a tous un rôle à jouer et chacun est complémentaire de l'autre. Mm -hmm. C'est ça, l'esprit d'équipage, -ce justement, c'est que. Euh, cette polyvalence euh, ben, à bord euh, on peut être secrétaire mais aussi euh, servant de lance à incendie parce que mmh. la sécurité euh, elle est vitale pour un bateau à la mer euh, mais on peut, on peut aussi tenir la coopérative mmh. ou faire de la coupe du quart à la coupée voilà. mmh. et, et chacun compte sur l'autre Moi, il y a une chose très simple qui est effectivement avec les mestranciers et, 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 et les jeunes mousses que, que, que j'ai pu avoir il euh, y avait des choses qu'on qu essayait de leur inculquer notamment euh, des principes très simples j'en prends un qui me retient pour moi qui est indispensable de la c'est même plus de la courtoisie, mais c'est du savoir-vivre en collectivité. Mmh. Quand on prend un quart, on arrive 15 minutes avant l'heure du quart. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un quart sur un bateau Peut-être oui. pour les gens qui ne sont pas du tout habitués. À... Le, service est régi, euh, le service est régi en quart, mmh. euh, justement, bah, de, de 4 heures en général. Mmh. Hein, après, euh, 0 à 4, 4 à 8. Euh, voilà, on, on peut le coupler après, euh, suivant l'organisation du bord et euh, la situation du bâtiment. Mais euh, on va rester sur un rythme simple. Et donc, chaque personne, le bateau vit pendant H24. Ouais, il va pas se reposer, il faut qu'il marche. <laughs> Quelqu'un qui a la barre, les gars, <laughs> ou pas là Parce que c'était qui, le cas là <laughs> bah, Donc, en fait, euh, la sécurité des uns est effectuée par les autres euh, pendant les heures de novembre. il enfin, y a toujours, le bateau vit toujours. Et, et arriver en, en avance euh, en ayant pris toutes ces dispositions, hein, donc en ayant mangé et tout. Voilà, mm -hmm. C'est aussi euh, le respect qu'on donne à son camarade parce que ben, il, si c'est 0 à 4 et qu'il n'a pas dormi et qu'il va se coucher à 4 heures, le mieux c'est qu'il puisse profiter du peu mm -hmm. de sommeil qu qu'il va avoir. Euh, et ça, chacun est conscient de ça en général. Et, et l'esprit d'équipage, il se joue par ces petites choses, par ces ouais. petits détails. Mm -hmm. Ce qui fait que ben, voilà, on passe un temps ensemble. Et voilà, je suis content justement que tu aies, tu aies de nouvelles d'anciennes ancien, personnes <laughs> ouais. avec qui j'ai pu travailler parce que et on en parlait justement tout à l'heure avec Fabien mais, euh, on va pouvoir euh, travailler ensemble avoir des, des rôles différents dans, dans l'équipage mais on aura fait partie du même équipage on aura partagé ensemble des choses on va peut-être pouvoir euh, ne pas se voir pendant mmh. 10-15 ans euh, ça arrive souvent et on mmh. se revoit 15 ans après et, et ouais, c est c est ça. Si on s'est quitté mmh. la vie ouais je vois donc si tu veux euh, et c'est l'apanage justement peut-être de, 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 de l'ancienneté c'est de oui euh, et plus et tu avances, et, et plus voilà, tu recroises tu, tu des personnes. Voilà. Bien sûr, évidemment. Alors, je, je vous remonte les images. Alors que j'avais la chance d'être invité, du coup, dans le carré des officiers à l'arrière du bateau. J'ai bu mon café. Alors que je n'aime pas le café, mais je me sentais un peu obligé de. Je ne pouvais pas refuser dans, le café. Dans, qui... une, dans une tasse. Euh... Ouais, dans une tasse. Ah non, mais là j'ai eu, eu le droit. J'ai le droit. Là, j'étais très bien. Et William était vraiment adorable. Eu le service à. T... Le service à café ou le service à thé, c'était magnifique. Mais je déteste le café, donc je, je l'ai quand même bu. Et notamment, il y avait ça. Il y avait des bouches. Euh... Des de bouches. Ouais. Ouais, des bouches avec, avec chacun des des inscriptions, et toi tu en as ramené un justement aussi, je pense que tu peux nous le montrer. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors ça pèse quand même son poids, sachez-le. C'est de fonte. Ouais, c'est en fond. Et du coup, c'est des bouches à canne. Une table de bouche, en fait. Tête de bouche, c'est ça. Par tradition, et ça existe toujours, la table de bouche, elle était autour d'un support en bois, elle était mise sur la bouche du canon. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un objet décoratif, mais aussi un objet identitaire. Et là aussi, c'est important dans, 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 dans la tenue. Hein. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'évoquer. Oui, ouais, <laughs> si, carrément. Hein. Un... L'identité, vraiment, c'est important. Et parce que le, la symbolique euh, oui. a quand même toute son importance. Et là, la table de bouche, c'est vraiment une survivance de, de, de tradition qui, qui perdure. Mm -hmm. Donc, parce que les canons ont aussi un rôle en diplomatie. Oui, ça. Quand on va en escale quelque part, mm -hmm. la hausse du canon, les tables de bouche, tout ça, c'est... Oui, c'est ça. Là, du coup, la tête de bouche, souvent tu offres ça aussi quand tu vas, ah. par exemple, dans un port ou quoi Oui, alors c'était euh... très courant. Euh, c'était très courant. En général, voilà, on, on gradue le, le niveau du cadeau. Mm -hmm. euh, on est sur les coins maintenant. Okay. Mais la tête de bouche, c'est le cadeau le plus... Mais, mais c'est un cadeau qui a de la valeur, à plus forte raison avec une plaque, mm -hmm. c'est personnalisé. Là, effectivement, euh, c'est tradi, tradi marine. Ok, donc là c'est pas mal quoi. Ok, ouais, très bien, ouais. très bien. Tu nous as aussi ramené un autre, euh, un, un autre, un autre objet. C'est un, moi j'appelle toujours le pompon, mais c'est pas le, c'est pas le pompon quoi. C'est le bâchi. C'est le bachi. C'est le bachi traditionnel. traditionnel. Ah, je vais ramener un bachi de l'école des mousses parce que il, il est très convoité. <rire> <rire> bah, le bâchi, c'est effectivement ce qui, euh, ce qui caractérise le marin en fait. Euh, le marin. Je parlais tout à l'heure des levées euh, de, de, de personnes avant que la marine soit organisée avant Colbert, mais alors, la silhouette du marin à l'heure actuelle, euh, en fait, euh, depuis 1804, on a un uniforme de la marine. Avant, mm -hmm. c'était un uniforme de travail. Et, et en fait, les uniformes étaient un peu bigarrés. Au euh, début du 19e, on a commencé à avoir une tenue de cérémonie. D'accord. Mais la théorie de cérémonie, elle est héritée naturellement du, du, du vêtement du, du marin. Et je vais y revenir dans le détail. On a le bâchi. Le bachi c'est un bonnet de laine d'origine mm. écossaise. Hein, il n'était pas blanc. Là, c'est depuis. Euh, depuis 1988, qu'on a une bâche blanche, mais euh, il était en laine bleue. Mm -hmm. euh, il avait une houppette, et pas un pompon. Okay. Euh, une houppette qui était deux tiers bleu et un tiers rouge. Ah, okay. Pourquoi Parce que, euh, comme c'était de la laine, euh, c'était finalement au centre qu'on avait euh, l'origine mm -hmm. euh, de la filature de la laine. Okay. Voilà. Alors après, il y a des légendes urbaines, j'y reviens, les légendes urbaines du pompon, parce que... C'est vrai qu'on aimerait bien savoir d'où vient le pompon quand même. Elle est charmante, mais c'était cette oupette justement qui était une terminaison, ni plus ni moins. Ah, d'accord. Voilà, et, et la légende urbaine, c'est que euh, l'impératrice Eugénie, en euh, 1858 de mémoire, euh, venant en visite sur un bateau de la marine, euh, voit un jeune matelot qui saigne et qui s'est cogné la tête sur, sur un, une porte étanche, qui okay. voit comment c'est fait, mm -hmm. n'est hein. pas sur la goélette, mais on, mm -hmm. les portes étanches sont là justement pour étanchéifier oui. une zone très épaisse. parce que sur un bateau militaire on est compartimenté c'est-à-dire mm -hmm. que si une zone est touchée on ferme ouais. la porte et il n'y a que cette zone et le bateau coule pas euh, donc là euh, elle lui aurait donné euh, son mouchoir et le mouchoir étant euh, D pour, 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 le, pour euh, étancher le sang le mouchoir étant rouge ça lui aurait hop là, on l'aurait gardé pour éviter de se blesser voilà euh, c'est une belle légende, je trouve que c'est intéressant. Bon, je crois que je suis peut-être un peu plus pragmatique que l'histoire de Oupette, <laughs> mais l'histoire révèle qu'effectivement, deux tiers de bleu, un tiers de rouge... Mm -hmm. il on, est gardé rouge. Voilà. on a peut-être un côté pragmatique de bon, parce qu'on va juste passer au rouge. Mais c'est vrai qu'au final, le bachir ressemble beaucoup à, enfin, à des... Si je remonte un peu, je comprends euh, quand tu dis que c'est écossais, ça m'étonne pas, parce que dans les tenues traditionnelles écossaises, as un petit peu ce genre de, de, de couvre-chef. Et donc, je après, maintenant, ça, on a un petit peu mis... Euh, c'est un peu changé, la coupe a légèrement changé, mais je vois la parenté en tout cas avec les couvre-chefs traditionnels écossais. Quoi. Il a évolué et ce, ce, ce bâchis, hein, parce que c'est le, le nom du, du, bonnet, euh, du bonnet en laine. Et le terme de bonnet a sa signification. Et là encore, on parlait des, 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 de la tradition et de l'histoire au quotidien. Euh, L'ordre balai-bonnet existe toujours dans la marine. On a des bâchis et des casquettes, mais balai-bonnet existe. Quand on doit... La euh... bon, dernière fois que je l'ai fait, c'était pour... Euh... Pour une cérémonie mmh. euh, de commémoration, on l'a fait pour euh, pour des cérémonies de, de national, par exemple, euh, aux couleurs un ouais. balai bonnet et chacun euh, l'enlève. Et donc ce bachi qui était un bonnet en laine au départ, ne devient bachi pour remplacer donc euh, des 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 coiffes en cuir bouilli. D'accord. On a peut-être vu sur les bateaux Master and Commander. Là aussi, je voulais placer parce ah que c'est un film mythique. Rho, Master and bio. Commander, incroyable. Si on veut ah, comprendre incroyable. la marine du 18e, euh, tout y est. Oui, beaucoup de gens disent que c'est un excellent film, même, euh, en oui. termes de compréhension de hiérarchie de la marine. Ils ont vraiment bien bossé okay. sur Master and Commander. Ouais. Le seul défaut, euh, parce qu'on a quand même un bateau français euh, qui, qui, qui remporte prend, une belle qui victoire. Prend, ouais. <laughs> Mais voilà, ouais, je trouve qu'il est, est très bien fait. Il y a vraiment beaucoup de détails. Mais je digresse. Donc, pour revenir à ce qui est un bonnet de l'aile, euh, euh, il remplace donc les, les coiffes en cuir bouilli. Et la, la jugulaire de, ces, de, ce, de ce premier en laine, il est bleu marine hein, à l'origine, est noire et elle ne deviendra blanche qu'au début du XXe. Donc c'est un article qui, qui évolue, hein. euh, comme la bande légendée qui apparaîtra dans la deuxième moitié du XIXe avant cette, ce ruban légendé où donc on a le nom de l'affectation. Oui il était jusqu'au niveau des, des épaules. Ah oui, oui, il descendait euh, tout ouais, à fait. Oui, je vois ouais, déjà des images de ça ouais, où on voit... Exactement. Et donc avant, il n'y en avait pas. Mais en revanche, les deux bandes rouges guérance euh, mm -hmm. existaient déjà. Ouais. Ah ok. Donc on a ce début du 20e, la jugulaire devient blanche. La jugulaire, elle, elle sert. Bon, peux elle n'est pas taillée, mais elle sert effectivement <laughs> quand, on, quand on a du vent et qu'on ouais. a de l'aviron, par exemple. Euh, et les, la coiffe qu'on qu met par-dessus, et la baleine, c'était des baleines avant en fer, moi quand ah, je suis rentré en 88, okay. c'était des bale en, baleines en fer, ce qui fait que ça donnait de lieu, alors pour les, mmh. les, les appelés qui enlevaient la baleine, une espèce de camembert, et puis pour les personnes qui voulaient bien retendre des baleines pour avoir quelque chose, une espèce de casquette <laughs> euh, soviétique. <laughs> Voilà donc le bâchi il évolue, euh, il, il reste ce qu'il est. Et moi je trouve que les légendes urbaines sont vraiment sont vraiment euh, sympas. Voilà ça fait ouais, vivre ça. un peu la chose, ça rend non, non, ça. Non non mais il y, y a un rapport tu ouais. vois à l'uniforme tu vois dans la marine qui est important. Et même tu vois sur le navire où on était avec William, il, il était passionné d'histoire. Il nous expliquait quelle était la plus vieille pièce de son navire quoi. Tu vois par exemple il nous expliquait c'était ce crochet qui était un crochet de, pour les hamacs sur, ouais. et en fait qui était encore conservé sur le bateau quoi tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est la passion que le commandant pouvait avoir pour son navire. Pas juste je navigue dessus, c'était aussi. Enfin, je connais toutes les pièces, je sais quand elles ont été changées, je sais quand sont les dernières pièces, j'ai les dates, etc. Et puis pareil, il connaissait en plus les étoiles, il a eu un parcours particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a rejoint Londres euh, très, rapidement, euh, très rapidement aussi. Et puis, euh, tout ce. Enfin, tu vois, même dans le. Tout le rapport avec le. Là, on était dans les quartiers, tu vois, dans le carré des, des officiers, euh, donc il y avait. Euh, euh, j'ai même signé le livre d'or à la fin avec des gens qui sont qui sont passés il y avait elisabeth ii qui est venue euh, dans le carré ouais. des, dans le, dans le carré des officiers de, 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 de l'étoile donc euh, j'y ai, ai laissé un petit mot sachez qu'en tout cas je suis euh, avec elisabeth ii dans le dans le livre d'or de dans le livre d'or de, <laughs> de de, de l'étoile donc euh, non non c'est c'était vraiment euh, j'avoue assez euh, très intéressant de voir déjà le côté historique mais de comprendre que pourquoi est-ce que des marins encore aujourd'hui passent par ce bateau pour apprendre, pour découvrir, pour aller découvrir aussi au fil de l'eau Et je trouvais que c'était. Ouais, je trouvais ça super chouette, étant un, étant un évident fan d'histoire. Le multivers. Après, je ne l'ai pas rencontré, attention. Hein, c'était juste par mots interposés. Donc, quand quelqu'un ouvrira le livre d'or, un historien dans 500 ans se dira Oh, Elizabeth II, OK, Rivenzi. Mais qui est cette personne je ne, je, 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 ne sais, je ne sais pas. Et d'ailleurs, dans les endroits qu'on a visités aussi, un lieu que tu connais très bien, euh, on est allé au cien aussi, au centre d'instruction navale. Euh, donc là, qui est un lieu euh, qui n'est pas ouvert au public, si je ne dis pas de bêtises. Alors, non, non, non. Enfin pour les journées portes ouvertes, je crois qu'il peut y avoir, ouais, des, doit choses, y avoir des Pour les présentations en drapeau, si on a de la famille euh, qui, qui défile. Alors, le, le centre d'instruction navale, pour ceux qui, qui l'ignorent, c'est euh, bah en fait, là où sont formés les, les, les marins de, sont, sont formés les marins de demain. C'est le, le creuset de la formation. Oui, c'est ça, en fait. exactement. Tout à fait. avec Du coup, il y a l'école des mousses. Tu euh... étais devant, je crois, d'ailleurs. Hein? <laughs> tu ah, étais hein. devant l'école des mousses. J'étais juste devant l'école des mousses. Alors, c'est rigolo parce qu'on va un instant juste parler de la bâtisse déjà. C'est une bâtisse qui est énorme. C'est sur 27 hectares, quelque chose comme ça euh, Oui, c'est ça, de mémoire. Enfin, c'est énorme mais... et je n'avais jamais vu ce bâtiment <laughs> parce que, vu qu'il est face à la mer. En fait, on ne le voit pas depuis la, depuis la ville. Et c'est assez impressionnant parce qu'il est, tout en, gran, il est, est, ça, il est tout en granit. Et c'est un bâtiment qui est énorme où, euh, du coup, il y a l'école des mousses, le lycée naval et euh, l'école de, euh, de Mestrance aussi. Euh, et euh, j'avoue que d'y aller, c'était vraiment impressionnant parce que je me disais, comment je n'ai pas pu voir ce bâtiment avant, tellement il est, il est immense, euh, alors que pourtant il est au beau milieu de la ville de Brest. C'est vrai, mais tu as raison, parce qu'il est enclavé dans Saint-Pierre. Mais ce qui est fabuleux, quand, quand tu es sur la rade, hein, avec la luminosité qui varie euh, chaque fois, tu as un bâtiment différent. Ouais. Moi, je ne m'en lasse pas moi, quand tu es au milieu de la rade, c'est fabuleux. Là, tu as le, la cour Jean Bart, avec l'école de Messrance juste en face. En bon, 1935 à gauche, l'école des Mousses. Euh, oh ouais, 1935, fou. la construction de l'école navale, c'est quand même, enfin, euh, elle a démarré en 29, euh, la première pierre a été posée et, et elle est inaugurée en 1935 pour abriter l'école navale. Euh, cette espèce de, 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 de cloître en fait hein, parce qu'avant la cour jean -Barre, là ce que, ce que tu vois là en fait oui. tu avais euh, aussi un, un passage fermé oui oui tout à fait c'était complètement fermé à la base euh, effectivement exactement c'est le surnom de versailles de la mer a été donné parce qu'effectivement... on a mais un... ça fait vraiment alors je, les gens vont dire oui vous êtes de là bas donc vous dites que ça vrai. » mais je vous jure que c'est vrai c'est la première remarque que j'ai fait je dis j'ai l'impression que ça ressemble à Versailles mmh. dans, dans l'atteinte de l'architecture. Après, c'est du granit, la pierre est différente, et, et voilà. Mais il y a un côté vraiment Versailles, quoi. C'est assez, euh, assez fou. Ben en fait, ça a été voulu, en fait. Hein, parce que là, on parlait tout à l'heure de la marine des années 30. Hein, mmh. Le ministre de la, de la Marine, Raphaël Georges Leg, a donné une impulsion sérieuse au nombre de bâtiments, ce qui fera mmh. qu'elle deviendra justement un objet de convoitise pour les Allemands, notamment. Euh, mais compétitive, avec des bâtiments, des contre-torpilleurs qui filent à, à 35 nœuds, enfin des pour l'époque, hein, des, 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 des bâtiments, une, une belle marine, mais euh, le, le creuset, de... enfin, il faut armer avec des équipages et les commander avec des mmh. officiers qui ont ce sens-là. Euh, donc, le cre... faire un creuset euh, pour, pour ces officiers-là, c'est l'objectif de Raphaël mmh. Georges Legge. Mmh. Il, il y a bien réussi, parce qu'effectivement, on a un bâtiment aujourd'hui, euh, enfin, même à l'époque, quand il a été inauguré, qui, qui était vraiment magistral, enfin, mmh. majestueux. Ah, c'est assez, assez, assez fou. Alors, moi, c'est assez intéressant de savoir, puisque... Euh, Peut-être que pour les gens qui ne sont pas forcément de la région, c'était un peu compliqué à comprendre. Euh, mais c'est vrai que l'école des mousses dont tu as été le, le, le directeur, euh, c'est assez rigolo parce qu'on en a toujours un petit peu entendu parler, mais sans vraiment savoir ce que c'était. C'est-à-dire que, moi, je, je te le dis honnêtement, l'école des mousses, c'était un peu ceux qui étaient un peu moins bons en classe. On disait, oh, j'ai déjà fait des conseils de classe où j'ai entendu des profs dire ça, tu vois, en disant, oh, il n'est pas très bon, bon, il fera l'école des mousses. Et en fait, on, on comptait soit sur l'école des mousses pour le remettre un peu dans le droit chemin, ou pour euh, bah, les gens qui n'étaient pas trop formatés pour, euh, on va dire, le système éducatif classique, et ben bah, on disait, oui, bon, il fera l'école des mousses, quoi, tu vois. Il y avait un peu ce, ce, ce truc-là. Im cette image d'épinal. Oui, cette image d'épinal, exactement. Alors, si, je, si je peux tordre le cou un peu à, à, <laughs> à l'image d'épinal, j'ai passé deux ans avec, avec des jeunes euh, fabuleux, des jeunes talents, quoi, euh, les mestranciers avec qui j'ai passé deux ans à Saint-Mandrier, il était tout autant, hein, mais mais à 16 ans, quel courage de, de, de venir, de quitter sa famille, de, de venir pour un projet professionnel. Eux ont un but. Et, et s'ils n'ont pas trouvé leur, système, leur place dans le système traditionnel, euh, ben, là, ils ont cette capacité de démontrer qu'ils ont des capacités mmh. et ils en ont. Euh, on a fait beaucoup de choses. Et, bah, curiosité d'esprit. Euh, euh, la devise de l'école des mousses, c'est mousse toujours vaillant et loyal. Mmh. Et honnêtement, euh, là, je suis... les deux promotions, et même celles qui suivent et celles qui, qui ont précédé, on... l'école des mousses c'est une très belle école. Et il y a un savoir-faire. Euh, mmh. On a parlé tout à l'heure d'apprendre les rudiments. Euh, euh, quand on est issu de l'école des mousses, on sait se débrouiller euh, et, faire, euh, et, et faire beaucoup de choses dans la marine parce qu'on la connaît. On a grandi mmh. avec. Et on connaît les valeurs et, et aussi le. Le, le prix de l'investissement que ça euh, pour pouvoir y arriver. Parce qu'on est finalement au bas de l'escalier social, mmh. dont on parlait. Et c'est pas un ascenseur, c'est un escalier, c'est qu'il faut qu'on fasse l'effort. Et, et le mousse, il sait qu'il aura beaucoup plus d'efforts à faire. Mmh. Et, et honnêtement, on, on, enfin, les mousses qui sortent de l'école euh, ont des projets et ils ont envie d'en découdre. Mmh. Et ça qui est fabuleux. Hein. Donc euh, pour moi, euh, j'ai... Pas vu beaucoup de derniers de la classe, ou alors ils ne sont pas restés longtemps. Okay. il y a ça aussi. Hein. Oui. Euh, en fait, je, je dirais que si on s'est trompé de, de motivation et qu'on est venu pour chercher euh, un contrat, ben, en fait, on a frappé à la mauvaise porte. Oui, je vois. Donc, euh, je dirais que l'école des mousses, ils... c'est une très belle expérience. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une, une expérience très atypique aussi pour mmh. les jeunes de ces âges-là ces âges aussi. C'est ça. Parce que du coup, ils, ils sont tous en internat à l'école des mousses, oui. tout le monde en tu es en uniforme toute la journée, il y a une discipline militaire aussi, oui. qui fait que c'est une expérience très atypique, pour le coup. Et c'est très rigolo parce que, autant il y a cette école des mousses qui a cette image un peu d'épinal, un peu, tu sais, de... de, de, de voie, un peu de, de garage pour certains, et pourtant on met le lycée naval, donc, qui est pourtant la, pour certains la suite, en tout cas le niveau d'au-dessus, comme l'excellence. Et du coup c'est bizarre qu'il y ait cette dichotomie entre l'école des mousses, bon, voilà, par contre le lycée naval... Là, c'est autre chose. Et moi, je savais que pas mal de, de parce qu'il y a des tests pour rentrer au, au lycée naval aussi. Tu rentres pas, enfin, tu t'inscris pas au lycée naval en mode bon, bon, allez, j'ai vu lycée naval. Il y a des tests pour rentrer au lycée naval. Donc, c'est rigolo. Enfin, ça m'a toujours surpris cette différence de traitement entre le lycée naval et l'école des mousses. Alors Je me disais, bon, l'institution est quand même relativement similaire. Donc, à mon avis, c'est que ça doit. Et en plus derrière, il y a Mestrance, donc l'école des officiers. Euh, donc là, il y a des gens dans le chat qui disaient Louvi, j'espère réussir mes tests pour entrer à Mestrance. Donc, tu vois, il y a aussi cette différence de... qui était étonnante. Quoi. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui est passionnant, justement, je parlais de creuser pour le CIN hein, dans la formation initiale, Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, chaque, euh, chaque école apporte mm -hmm. euh, mutuellement des choses. Je m'explique. Euh, les les mestranciers et les mousses font des choses ensemble. Euh, des gardes d'honneur, euh, où chacun a son rôle. Je reviens justement au fait de chaque, que chacun a sa place à bord et que chacun a réussi à trouver sa place parce qu'il ben, il a les grades, il a mm -hmm. son positionnement, son emploi. Et quand on fait euh, travailler ensemble, toutes ces personnes-là, elles se connaissent. Mm -hmm. Quand vous montez du service, euh, vous êtes jeune mestrancier, vous montez du service à l'internat des mousses, vous connaissez les mousses, oui. vous connaissez les gens avec qui vous allez travailler et à qui vous allez donner des ordres. Mm -hmm. euh, les Olympiades, on traite des photos, les Olympiades, oui. euh, on fait du sport ensemble, euh, l'aviron, les, les, mm -hmm. les défis armoriques qu'on fait avec, euh, avec les, les écoles ensemble, donc tout ça, ça tire vers le haut en fait, mm -hmm. parce que chacun voit que... Ben, que ce soit les classes prépa qui vont peut-être être officiers, les futurs messagers mm -hmm. et les mousses, ils vont travailler ensemble. Mm -hmm. Donc c'est eux, la marine de demain. Ouais ça, ça c'est intéressant. Et créer du lien avec tout ça, <coughs> Pardon c'est ben, ce qu'on on, s'efforce de faire finalement, et mes successeurs et mes prédécesseurs le, le faisaient aussi, dans cet écrin qu'est le CIN, où, où tout respire la marine. Ouais c'est hein. fou. Le CIN a les pieds dans l'eau, c'est fabuleux. Je sais pas si tu as vu la salle d'honneur du CIN en haut, là. Ce, ce que non, vu, on l'a pas montré. Bon, ça nécessitera peut-être que tu reviennes le Si <laughs> je suis invité, je viendrai avec, avec plaisir, mais rien, rien que d'aller dedans, tu vois, déjà c'est fou. Après l'histoire du CIN aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il a été aussi occupé par les, les, Allemands. Par les Allemands et qu'ils ont, un peu comme dans partout dans Brest, fait des, fait des souterrains aussi euh, fait, fait, fait des souterrains. On a pu notamment visiter des. des, des enfin, pas des souterrains, mais en tout cas des constructions militaires qui datent de la guerre à côté, euh, à côté du, 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 du CIN. Donc, c'est aussi un lieu tu vois, qui, a, qui a vraiment évolué, qui mmh. a eu des changements. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était particulier. Il a été bombardé d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale oui, Il a été détruit, alors euh, partiellement, pas entièrement. Ce qui fait que l'école navale à la Libération ne n'a pas réintégrée, mais est allée tout de suite s'implanter à, mmh. à l'Enveoc. Enfin, il, il faudra attendre 1960 pour que le groupe Armory, justement, qui est composé de l'école des Mousses et l'école de Mesprance, mmh. vienne s'installer et que le CIEN soit créé en 1966. Okay. Enfin, donc, c'est une démarche logique. Mais tout a été reconstruit à l'identique en fait. Mmh. Alors à l'identique sauf les statues. Euh, ah, il y avait des statues. Y avait les statues en fait qui ont une histoire ces statues. Les statues de Colbert, euh, du Troin, Suffren et le troisième. En fait, il y a les deux statues qui sont à l'école navale. Non, as, as les noms envers. qui sont sur le fronton voilà. du, du avec Tourville. Oui, je vois qu'il y a Colbert aussi, de aussi de qui est là. Et Duquesne donc. Les les, les incontournables de la marine. Alors si on, on l'œil averti pourra distinguer que au, au bas de l'escalier ce que tu avais pris, hein, je crois que c'est tête de bélier. Oui, exactement. Il y a, fait, y a une façade qui l'a et l'autre qui ne l'a pas. Voilà, parce que ça n'a pas été remonté. Ouais, celle Là, ouais, effectivement, c'est tête de bélier là. Voilà, elle est mise, elle est mise à terre et c'était un ornement qui doit être sur l'aile, euh, qui doit être. Euh, west, il me ouais, c'est ça. Ok. Mais tout respire. Hein. Quand tu vois le bâtiment de première ligne, mmh. tu vois les, là, les, les, les candélabres là, qui sont ouais, ici. Voilà, bon, bah, C'est euh, stylisé euh, avec des feuilles d'acanthe. Mmh. Euh, et, et quand tu vois les, les linteaux de, des, 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 des entrées, là, euh, tu as des, des Neptunes un peu partout, des tritons, des Neptunes, les noms des marins. Enfin, voilà, tout. Euh... En fait, il y a beaucoup de connotations, de termes aussi, marins, tout que tu. Fin... Mmh. Ça, c'est assez rigolo parce que quand tu entends des chants de marins, de temps qui viennent de Brest, il y a plein de termes que quand tu n'es pas marin, tu ne, comprends, tu ne comprends pas, tu vois. Et donc, non, non c'est ça. En fait, c'est un lieu, c'est clair qu'en termes de fans d'histoire, et en plus, c'est des lieux que tu vises quasiment pas quand tu es civil. Enfin, franchement, tu ouais. n'y vas jamais. Donc, euh, j'avoue que j'étais vraiment content de découvrir cette facette de, bah, de la ville où j'ai grandi aussi euh, et de voir euh, bah, où... Enfin, de voir aussi, on a vu la base des, des sous-marins aussi, ouais. qui était un moment assez assez fou parce que, bah, on pense évidemment... Au, au, au loups de l'Atlantique, aux sous-marins allemands, les U-boats qui partaient depuis cette base-là. Les base U-boats, par exemple. Ouais, exactement. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça euh, qui font que c'était vraiment, vraiment super chouette de pouvoir, découvrir, euh, de, de, de pouvoir le découvrir sous cet angle-là. Et c'était super intéressant. Euh, euh, J'allais te poser une petite question euh, parce que là, ça fait une heure et demie qu'on parle. On n'est pas loin. On touche doucement, mais sûrement, à la, à la, à la fin de notre, de, de notre discussion il euh, y a l'île longue ouais, -Long, c'est encore autre chose les copains l'île longue c'est sous <laughs> les sous-marins nucléaires c'est de l'autre côté de la rade donc euh, c'est encore euh, c'est encore autre chose il euh, y a plein de gens qui, qui parlent qui sont dans les promotions euh, euh, tu vois qui vont faire leur enfin qui vont rentrer certains à mestrance ou quoi pour les sous-officiers donc euh, c'est super intéressant est-ce que tu as une anecdote sur la marine originale que tu aimes bien raconter un peu tu vois euh, au repas de famille, tu vois, un peu celle qui te permet de, 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 de briller un petit peu en mode est-ce que vous saviez que la marine française Tu vois, une petite. Euh, je pense que tu en as plein. Alors, il y en a, je ne suis, je, je, je suis pas très exubérant. Et <laughs> non. Alors, moi, il, y a, il y a un truc fabuleux. Qui te fait et sourire, en tout cas. Quoi. Qui me fait sourire, oui, parce que je, je l'ai vécu et ça m'a fait tout drôle. Euh, la première fois, j'ai été de compte sur le quota d'État aux combattants, euh, mm -hmm. qui était Hubert Falco à l'époque. Et ma première sortie était le défilé du 14 juillet. Et je me suis retrouvé euh, jeune trois galons euh, au milieu du gouvernement. <laughs> Waouh! <laughs> Rosine Bachelot, euh, euh, Marie Drucker aussi était là. <laughs> euh, voilà, et je me suis retrouvé comme ça lâché, euh, de devoir faire mon travail. Et, et le, le travail des deux camps qui est quand même de de guider le <laughs> ministre, de lui dire là où il va aller, d'anticiper. Et là, je me retrouvais en fait dans un film. <laughs> voilà Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est pas forcément parce que j'ai rencontré les membres de, de ce gouvernement, mais c'est que dans la marine, et quand je dis que j'ai pas encore tout fait, ce que je pourrais faire et ce que je voudrais faire, mm -hmm. qu'il reste beaucoup de choses et qu'il y a aussi euh, tellement de choses d'orientation. Il, il y a des talents mm -hmm. dans la marine. J'ai des musiciens, des écrivains, des... Des, des, même des mm -hmm. membres, des gens qui font dans l'associatif, qui font beaucoup mm -hmm. de choses. Euh, mais c'est qu'on peut, dans une affectation, euh, se retrouver à faire des choses euh, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ouais. Euh, et là, par exemple, se retrouver dans un cabinet politique. Euh, dans oui, c'est vrai que c'est quand, quand même. Euh, c'est euh, voilà. loin quand tu t'es dit, bon, je vais rentrer euh, dans euh, la marine. Euh, hein. quand, oui, je vais rentrer dans la marine parce que je vais être marin. Voilà. Et là, on se retrouve sur la place de la Concorde mm -hmm. à Paris. <laughs> et au milieu de membres <laughs> politiques. oui où est mon bateau <laughs> mm -hmm. Voilà, voilà c'est ce genre de petites petite anecdotes. Après, moi, j'ai beaucoup de souvenirs, effectivement, euh, euh, mais, mais, mais surtout de partage. Ouais, euh, de partage et et l'avantage, justement, d'avoir l'expérience, c'est pouvoir maintenant faire bénéficier un peu plus les autres. Et, et c'est pour ça que, euh, là, avec ces, ces deux postes en école, euh, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. un bon, ben, le recrutement était aussi un passage mmh. intéressant, mais de faire partager ça et de dire que, ben voilà, vous rentrez avec un pack littéraire. Mmh. Euh, vous pouvez faire beaucoup de choses intéressantes. Clairement. Euh, du saut en parachute. Euh... Ah, yes. <laughs> des, des, des... <laughs> du saut en parachute dans la marine, ça existe Bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, bon, ouais, je, je, je... Très bien. On peut faire euh, <laughs> de l'étracot, les embarcations rapides de commando, okay. euh, de la cordelise mmh. On peut faire beaucoup de choses. Euh, rien n'est impossible en fait. Mmh. Après, bon, effectivement, il y a un cadre et il faut qu'on soit dans ce cadre pour le faire. Mmh. On ne fait pas n'importe comment. Comme tu disais, effectivement, c'est cadré. Et c'est cadré pas pour, euh, pas pour euh, empêcher de faire, ouais. mais pour maîtriser. Mm -hmm. Tu auras compris, hein, si je, quand on anticipe pour partir à la mer, c'est qu'on va maîtriser un maximum mm -hmm. de choses. Maintenant, comme dans l'aéronautique, on ne peut pas tout maîtriser. Simplement, euh, on va envisager ce qu'on appelle dans l'aéronautique des boîtifs. Mm -hmm. bah, nous, c'est des, des solutions de détarage. Et, et, et dans mm -hmm. le versant civil, ça sera un plan A, un plan B, un mm -hmm. plan C. Tu vois. Mm -hmm. Donc, on, on a cette culture-là. Et je dirais que dans l'ADN du marin à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Euh, c'est qu'on est formé de différentes personnalités, mais euh, chacun a son métier. Mais il est marin, militaire et ouais. technicien, donc il doit savoir faire plusieurs choses. Ouais. Et tout ça c'est complémentaire. Et avec nos personnalités, on est tous différents, mm -hmm. donc en fait on s'ennuie jamais. Ouais, c'est ça, tu plein, <laughs> plein de choses à découvrir. Il y a un copain qui aime beaucoup le rugby aussi dans le chat, qui me dit Le véhicule ou l'équipement le plus impressionnant que tu pu voir, bon, en tout cas, tu te dis wa ouais, ça c'est que Moi, j'ai eu la chance de voir un, certains équipements et tout euh, quand j'étais venu. Je me demande Ah, ouais, ok. Ça, c'était. Ben, je dois dire que moi, les PHA m'ont beaucoup impressionné les porte-hélicoptères amphibies. Ah, oui, ok. Tonnerre, euh, Dixmude. Ouais. Euh, ça m'a beaucoup impressionné parce que euh, moi, je trouvais qu'on fait tenir en un minimum de choses euh, un <laughs> couteau suisse, en fait. Ça tient, ce, euh, <laughs> ce truc Avec tous les gens qui sont autour et avec, tous les qui là. de gens, effectivement, qui ouais, ça voilà euh, les PHA mais sinon j'aurais quand même une expérience mais là encore c'est une expérience de partage parce que j'étais avec des personnes euh, et qu'on a partagé des moments sympas euh, c'est le porte-avions à la mer le porte à la mer c'est fabuleux ouais. c'est fabuleux parce que vous avez les pontées euh, qui, qui atterrissent qui, qui dé... Qui, oui j'avoue que ça c'est fou les gens tôt. disent le Charles de Gaulle aussi tu réalises c est... C est, c est... Enfin, il faut l'avoir vécu enfin, ouais. c'est très le, le rythme est assez tendu hein, mmh. mais, mais en même temps c'est un beau bateau quoi mmh. Enfin, les autres le sont aussi. Euh, voilà, pour y... Mais tu parles de souvenirs, il voilà, y a des ouais, choses où tu te dis. Wow. Euh, ouais, d'avoir euh... vu tout ça se mettre en place, ouais. euh, d'être là, sentir la tension, ouais. le rythme, etc. Et euh. puis voir affronter euh, de nuit euh, ouais, les pilotes d'antique naval je suis admiratif, mais enfin euh, des pilotes oui mais, mais aussi euh, des gars qui sont à la presse euh, en soute euh, ouais. en machine des souvenirs moi euh, sur le Colbert qui n'existe plus mais on a eu un croiseur euh, lance missile qui s'appelait Colbert mais une de mes premières visites euh, je descends en salle, euh, en salle de machine enfin euh, je n'étais pas bien au bout de deux minutes quoi ouais. <laughs> c'est compliqué voilà, et, et, et... Je veux dire que chacun apporte sa pierre à édifice et cette complémentarité fait l'esprit d'équipage mmh. où ben, même la personne qui est, euh, qui est en soute pour faire la plonge, euh, elle est aussi importante que euh, ben, la personne qui va mettre les, les munitions sous, mmh. sous l'avion. Ouais, oui, clairement. Et c'est ce côté, et chacun a sa place. Et c'est ce que je dis souvent au mousse. Hein. Et il ne faut pas s'interdire de rêver, parce que ben voilà, j'en suis la preuve vivante. Hein. Avec mon bac littéraire, euh... <laughs> je, je pensais pas... Ouais. À... ouais. Bien le voir. Mais, euh, mais, mais chacun a sa sens. Et, mais simplement, euh, il faut. Et je pense qu'avec un objectif, on travaille, euh, on met les ingrédients qu'il faut pour ouais, que on y arriver. Que euh, parce qu'on sait qu'on veut atteindre quelque mmh. chose. Voilà, il faut le vouloir. Ouais, et puis en plus, comme tu es de nature curieuse, ça se sent. Tu dois découvrir plein de gens qui ont des habiletés qui sont complètement différentes des tiennes. Mmh. Et je pense que tu dois avoir plaisir à échanger avec eux sur comment ça se passe, comment vous le faites. Et du coup, comment est-ce que tu apprends aussi, comme tu le dis, tu continues à apprendre des choses, bah, des gens que tu vas rencontrer bah, sur des j'imagine, des bâtiments type bah, porte-avions ou quoi, ou... Enfin, c'est une ville qui flotte, hein, franchement, entre le boulanger, parce qu'il faut un boulanger euh, aussi, ça. notamment, que ce soit du boulanger au pilote euh, ou au commandant, euh, c'est sûr que ça doit être des échanges, je pense, qui doivent être vraiment passionnants, à mon avis, et, et à avoir. C'est passionnant parce que chacun apporte, et moi, y a, là, c'est de d'infirmier, effectivement, mais, et chacun a son rôle, on peut dire, l'infirmier, bon, euh, mmh. euh, ouais... Après, il y a les surnoms. Tu sais, le, dans la marine et l'infirmière, on l'appelle sorcier. Le sourcier. sorcier Sorcier. <laughs> il le sorcier. Donc, euh, il n'est il est pas tout bib. Il est sorcier, mais ça veut dire beaucoup, en fait. Euh, sorcier, bah, il va bah, être capable de te bête d'aplomb. Et, mm -hmm. et du coup, c est, c est, bah, ça compte beaucoup. Mm -hmm. Alors, quand tu as le mal de mer, effectivement, tu distribues certains cachets, mais il mais y a plus que ça. Ouais. Et, et, et souvent. Euh, en connaissant les gens, on en envoie les autres et on fait beaucoup ça dans la marine. Ben, on va discuter, on va aller prendre le café, on va... et, mais sans rien avoir à se demander. Et, mais le jour où tu auras un truc, une question, eh ben, tu vas aller voir la personne et puis finalement, mais ben, naturellement. naturellement mmh. tu vas faire. Mais il y a aussi, euh, quand je suis allé sur l'étoile, j'ai découvert l'importance du cuisinier aussi mmh. sur un navire. Parce qu'en fait, bah, déjà que des fois c'est compliqué, les journées sont longues, euh, etc. C'est vrai que bien manger, et je l'ai vu dans ma petite expérience tu vois, de navigation, c'est vrai que quand tu as passé toute ta journée euh, à, bah, à naviguer ou tu as hâte de manger, c'est vrai que tu es content quand quelqu'un à bord sait bien faire, bien faire à manger. Et du coup, l'importance du, du cuisinier, c'est primordial quoi, pour le coup. Il y a ah, des mecs qui ne sont pas bons bon 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 et qui se font jarter parce qu'ils ne sont pas bons cuisiniers. C'est exactement ça. et Je reviens au mousse, mais on leur, euh, on leur apprenait, nous, à aller en, en cuisine. Euh, ah ouais Voilà, parce ah, que... Bah, T'as été utile en fait. Tu, tu fais ça, tu prépares à manger pour tes, pour tes collègues, t'es es utile. Mmh. Et puis en plus, bah, si tu prends goût, bah, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Comme dans One Piece, exactement, Zo. C'est comme dans One Piece. C'est la, 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 la même chose. En tout cas, Eric, merci beaucoup pour cet échange. J'étais vraiment ravi de, que, tu, que tu viennes, en tout cas, d'échanger sur l'histoire de la marine. J'ai trouvé que c'était hyper enrichissant. J'espère que ça vous a plu dans le chat, dans le chat aussi. Euh, parler de ton parcours, euh, parler de bas d'histoire aussi, parce qu'en vrai, bah, rencontrer des passionnés d'histoire, toujours, il y a des atomes crochus, des connexions qui se font, et j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment hyper intéressant. Et j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Bah, écoute, excellent, je te remercie de ton invitation, euh, j'ai passé un excellent moment, effectivement, j'espère que j'ai pas trop monopolisé les Dans les chats, <laughs> euh, les gens étaient en mode euh, ⁇ ça transpire la passion euh, ⁇ c'était trop bien, euh, c'était trop chouette, non, les gens sont allés, étaient, étaient, étaient vraiment ravis. Merci beaucoup Eric, non, les gens sont, sont très contents pour le coup. Eh ben, je la remercie aussi parce que c'est toujours intéressant de, de pouvoir avoir des, des questions et puis essayer d'apporter des réponses aussi ouais aussi parce que tu vois c'est des autant l'armée c'est quelque chose mais la marine c'est encore différent c'est encore d'autres d'autres termes etc là on parle un peu des bouquins que tu as, as écrit est-ce qu'il y a d'autres bouquins que tu prépares actuellement ou c'est moins le cas si, si, je travaille en fait. Ah, euh, <laughs> ah quand même. Je, je, non, en fait, euh, on parlait des lectures, euh, je, je, je dévore beaucoup de choses. Alors, après, effectivement, il y a des ruptures avec euh, certains bouquins dont euh, je parlais de sortie mmh. tout à l'heure, mais je travaille beaucoup sur, euh, sur le siège de La Rochelle, le Grand Siège. Mmh. Euh, C'est pour ça que euh, tout, tout ça, ça, ça m'intéresse. En fait, je suis euh, depuis quelques années sur le. On va arriver au 400e anniversaire de, du, du Grand Siège. Et. La révolution euh, après ce grand siège euh, pour la marine a été importante. Il mmh. euh, y a un amiral, Julien de la Gravière, qui passait sous, sous les radars depuis un bon moment, là, qui a deux secondes de moitié du 19e, qui était académicien quand même, mmh. euh, ah, qui, oui. qui, a, qui a écrit, euh, mais c'était très généraliste, mais moi qui m'a donné l'envie d'aller plus loin. Et effectivement, je pense que la tactique et la stratégie navale, pour, quand on défait mmh. trois fois les Anglais, ben, ça permet de, ouais. hein, de, de, okay. de bien souligner. <laughs> Voilà, et quand en plus, on est rochelais. C'est Donc voilà, je travaille sur, sur ce sujet-là. J'ai une bonne base et voilà. Donc non, je, super Ça ne viendra peut-être pas dans, dans les six mois à venir. En vrai, j'aimerais trop un jour que... Enfin, je ne sais pas si tu es habite de ça, mais parler de tactique, euh, de tactique maritime. Mais à l'époque, tu vois, à l'époque, par exemple, bah, de, tu vois, au 17e, 18e, parce ouais. qu'en fait, on peut parler de tactique militaire un petit peu, mais tactique navale, enfin c'est tellement particulier parce que tout bouge tout le temps. Comment... Tes repères évoluent sur un, un plan d'eau, enfin entre guillemets, tu vois. C'est aussi, c'est des choses. C'est tellement, c'est tellement, j'ai tellement peu de, su, peu de choses sur le sujet, quoi, tu vois. Je, je me demande assez bah, passionnant. C'est ce qui a fait la différence hein, entre un Nelson, un Dupéret, un Villaret, ouais. joyeuse. Et, et le mouvement mm. hein, avec la voile. Hein, je pense que tu avais bord l'étoile, tu as dû le voir, mais le, le mouvement est capital. Mais même, même à l'heure actuelle, ouais. on n'a rien fait de nouveau. Hein. Non, être inerte, alors je prends les paroles d'un général de l'armée de terre. Hein. De Gaulle disait qu'être inerte, c'est être battu. Mm -hmm. Mais je crois que c'est valable pour tout le monde. En fait. <laughs> pas qu'il l'ait dit dans le contexte où lui était. Alors... Ça m'étonne pas qu'il l'ait dit. Oui, alors il, il avait écrit, euh, je crois que c'était vers l'armée de métier, euh, et quand il parlait de son expérience au régiment de chars, parce qu'il. Il faut savoir qu'il commandait un régiment de ouais, chars. Oui, tout à fait, exactement. Et... et il militait à l'époque. Il dit il faut qu'on mette des chars, des divisions. Il faut qu'on fasse des divisions de chars. Mm -hmm. Sauf qu'on lui disait mais non, mais on va les chars, on va les mettre un peu partout, et puis ce sera bien avec l'infanterie, et voilà. Et es en mode mais non, il faut qu'on ait des chars regroupés, et on fait des têtes de pont, et on enfonce. Sauf que les Allemands l'avaient compris avant les Français, malheureusement à ce moment-là, et voilà. Non, mais tu vois, c'est vrai que la tactique euh, marine, je vais un peu plus durer, désolé, mais mm -hmm. la tactique marine, c'est quelque chose. J'ignore tout. C'est-à-dire que autant, tu vois, sur sur un champ de bataille. Avec, j'imagine, au Moyen-Âge, des archers, des lanciers, une cavalerie, même à l'époque napoléonienne, tu vois, je comprends un peu la dynamique, mais je sais même pas si, euh, tu vois, tu dois avoir différents types de navires dans les, ces batailles de, navales de cette même période. Est -ce que, comment est-ce qu'elles doivent évoluer Est-ce que tu as des. T'as des corps d'armée qui existent. Du coup, est-ce que t'as certaines, est-ce que as des escadres qui doivent évoluer euh, Comment Enfin, bref, je pense qu'il faudrait on, faire un. On pourra en reparler. faire un autre live dessus parce que c est, c est impressionnant, parce qu Entre la bataille de l'Épente, c'est 16e, 1571 de mémoire, mmh. et, 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 euh, et les, les combats actuels, effectivement, t'as as une évolution tactique. Ouais, euh, c'est impressionnant, toi. Parce que en fait, je n'y connais rien sur la tactique de, enfin, maritime en tout cas. C'est sûr que c'est quelque chose mmh. que je ne... Je, 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 je connais pas. On veut d'autres clubs avec la marine, c'est possible. Écoutez, on va voir. C'était la première. On, on verra, mais en tout cas merci beaucoup à la Marine pour d'avoir ouvert d'avoir ouvert leurs portes pour qu'on puisse justement aller filmer à, à l'arsenal. C'est une chance de c'est une chance hein, de pouvoir y aller quand vous êtes civil. Alors je sais qu'il y a des portes ouvertes qui sont organisées de, de temps en temps, donc si jamais ça vous intéresse, que vous êtes dans la région de, de Brest ou même je pense que peut-être Toulon aussi peut-être de faire des choses similaires. Enfin en tout cas n'hésitez pas euh, si ça vous intéresse. Mais c'est toujours des les échanges que vous voyez avec des passionnés aussi. Et merci beaucoup à Eric d'être venu. C'était vraiment, vraiment un plaisir. Euh, merci à vous d'avoir été là. J'espère que ce sujet vous, vous a plu. Moi, c'était un sujet qui me tenait quand même à cœur parce que, comme je disais, étant, euh, étant né à côté de la mer, ayant, ayant eu beaucoup de membres de ma famille qui sont des, sont des militaires, étaient des militaires, euh, étaient des marins surtout, euh, franchement, c'était hyper chouette de pouvoir avoir ton regard aussi sur l'histoire de la marine. Euh, et j'espère que ça vous a plu. Et franchement, au plaisir de pouvoir vous refaire des émissions. Sur l'histoire de la marine, parce que je pense qu'on a juste effleuré la surface. On a vu beaucoup de périodes différentes, beaucoup de, de sujets différents. On a essayé aussi un peu de parler de la marine aujourd'hui. Et je pense qu'il y aurait, franchement, même à part d'une seule bataille, je pense que ce serait intéressant pour faire peut-être un cas particulier sur euh, les pentes, sur Trafalgar ou sur d'autres. Franchement, on, on, pourrait, on pourrait imaginer ce, 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 ce genre de choses. Euh, en tout cas, merci à vous. Passez une très bonne soirée. Et nous, on se retrouve demain à 9h euh, pour, le, pour, pour le prochain stream. Euh, je vous fais des gros bisous, sachez que cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube principale Rivenzy vous savez on condense tout, les, tout le contenu histoire sur la chaîne principale donc elle sera rapidement mise en ligne et si vous avez raté un morceau ne vous inquiétez pas ce sera mis en ligne euh, très rapidement sur, euh, sur le, la chaîne YouTube et on vous le met euh, dans, le, dans le chat donc merci beaucoup à tous, passez une bonne soirée et puis, euh, à, et puis à demain Ciao